Eh bien, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin en forme. C'était compliqué ces derniers jours. Hop, c'est parti. Avant toute chose. Ça, il faut que j'envoie. Quatre jours, ah oui. Tac! Oh, aïe aïe. Salut Cabram! Direct, tu évites la suspension. Même pas en plus. Le pire, c'est que c'est même pas fait exprès. Salut Guardian of Hell, comment vas-tu? On va peut-être bouger quand même. Hop. Je voulais aller chercher de l'essence. Oui, excusez-moi, poussez-vous. Bonsoir le plein, s'il vous plaît. Bon, bah si personne répond, on va aller bosser. On me dit qu'on peut faire un peu de civil, mais... Bip à l'accueil, Lorio Lechero, tiens. J'ai toujours envie celui-là. Super, j'étais sur tes replays Daisy quand j'ai vu l'initiative du live. Tombe bien. Ça tombe bien. Merci, bonne soirée! Alors c'est plus tout à fait le même genre, hein. Mais on est peut-être en train de monter un petit projet pour un retour avec des zombies. Je vous dis tout de suite, ça sera pas sur Daisy. Avant que vous me posiez la question. Quand est-ce que tu nous fais un retour sur Daisy en RP On est en train d'en parler. Voilà. Je dirais pas plus que ça, mais on est en train d'en parler. Après là, on est en train de monter un projet pour Unnamed, qui est un serveur GTA RP aussi, mais post-apo, zombie, survie, craft, loot, tout ce qu'on aime. Donc à voir. J'ai quand même bien envie d'aller tester, je vous avouerai. Bordel, elle est pas là. Ah bah tant pis. Allez, on va bosser. Hop. Je vais peut-être faire une soirée civile, mais du coup, si personne n'est là. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je suis pas fan du RPG GTA, c'est presque trop réaliste à mon goût. Alors après, ça dépend. Ça dépend quel serveur. Maintenant, oui, c'est sûr que c'est un. C'est quand même plus réaliste, ça je peux pas dire le contraire que Daisy, ouais. Daisy saute, ça sort de nos habitudes de vie dans l'idée. C'est clair. C'est clair. Après là, moi j'ai testé un peu 7 Days to Die aussi, il y a moyen de s'amuser un petit peu aussi dessus. Salut Marianne, comment vas-tu?
Bon, bah, changement de plan. Changement de plan. On va pas les bosser tout de suite. Maintenant, ouais, pour revenir à ce qu'on disait, c'est vrai que oui, effectivement, GTA, c'est un RP qui est plus réaliste qu'un RP post-apo ou quoi que ce soit d'autre. Maintenant, ça a son intérêt aussi. Il y a aussi moyen de vraiment bien s'amuser. Moi, je dois avouer que là, en fait... Alors, j'ai réellement eu des soucis de santé hein, ces derniers temps. C'était pas que la flemme, mais il y a eu aussi un petit peu de flemme dans le sens que... je remarque, en fait, que le... J'ai besoin aussi de pouvoir faire un petit peu le con et là c'est trop sérieux, surtout les speedy. Donc c'est pour ça qu'on monte un petit projet à côté et on, comme ça on pourra aller faire un peu les cons en alternance, c'est nickel. Mais il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire un peu de Rust, j'ai envie de faire un peu... Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Nord. Je sais jamais. Non, bah c'était pas là. Je suis une quiche sur cette autoroute. Je n'arrive pas à me repérer sur l'autoroute. C'est un enfer. Après, c'est toujours sur GTA, mais c'est du post-apo. Et c'est extrêmement différent. L'ambiance est complètement différente, le lore est totalement différent, ça n'a rien à voir. Donc ça peut être intéressant, faut voir. Alors c'est sûr que ça sera pas du DayZ où t'as tout aussi le côté survie, simulation, tout ça. Mais voilà quoi. Comme faire Mumuse avec des tasers, par exemple. Bah... Je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein. Putain, elle avance plus du tout cette bagnole, c'est un enfer. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein. Il y a un côté extrêmement réaliste sur Empire, qui est très plaisant. Mais au bout d'un moment, qui est aussi très pesant. Et d'en faire tous les jours X heures, au bout d'un moment, c'est compliqué. Non, c'est compliqué, et moi, personnellement, et on est bien d'accord, là, c'est que moi, hein, ça n'engage que moi, tout ce que je vous dis là, et ça, c'est aucunement une critique envers le serveur, parce qu'il marche très bien, et il est vraiment très très bien. Mais, tu prends, ouais, les speedy, il y a beaucoup de sanctions qui tombent pour des petites conneries, des petits trucs, des machins, mais on s'en bat les couilles, les gars, c'est un jeu, quoi, enfin... Et pourtant, bah voilà, les anciens, enfin, vous le savez, c'est... C'est moi, je suis très sérieux CRP, mais il y a des limites au truc, tu vois. Merci pour le à boire, Cabram. Je vais boire dès que j'arrive au yellow. Il y a des limites au truc, et à un moment donné, voilà, faut aussi un peu lâcher la pression, quoi. Et je m'amuse beaucoup à LSVD, mais c'est vrai que dans un sens, le côté creamy et le côté que j'avais avec Jack, la SR et tout ça, franchement, ça me manque. Hein. Je vais pas vous le cacher. J'avais fermé la voiture, non? Oui. C'est Mikey. Et bonsoir. Ah oui, Mikey. Alors, je vous sers quoi, monsieur? Moi, tu veux un whisky, quand même. Un whisky, d'accord. Ah, ouais, bien, que des buveurs de whisky. Ciao. Salut, Pete. Chérie, tu veux quoi? Un whisky. Tu veux encore un whisky? Et franchement, truc sans alcool, s'il te plaît, je vais bosser un moment, je pense, après. Un whisky, au moins, quand même. Coca, Ice-Tea. Ice-Tea, s'il te plaît. Ah, bah, salut, Mikey, ça va? Ice-Tea. On fait aller, ouais. T'as déjà ça ou pas? Non. Enfin, ça va. Ouais, de quoi? Entre guillemets. Ah, t'es pas au courant? Quoi, y'a encore une raison pour que je te tue en plus, c'est ça?
Ah non, 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 c'est pas toi, c'est pas toi. Ah, ça. Ouais, ouais, ça. Je vais rencontrer beau papa et beau maman. Apparemment, ah, c'est ce soir qu'ils viennent, cool. Ouais. Ouais, cool. Ouais. Bah, force, hein. Ici, c'est, yes, toi. C'est moi, ouais. Ouais, c'est Willy. Comment tu vas? Ça va. Merci. Tranquille. Et les whisky? C'est bon, je suis là carrément pour whisky. Nickel. Whisky, du coup, il y a. Par contre, évite l'alcool, là, ma mère, elle aime pas ça. Ok, ça marche. Ouais, bah, c'est pas grave, t'as son bon, bah, et alors, et personnellement, personnellement, si elle l'aime pas et que ça se passe mal, j'en ai rien à foutre, hein. Ouais, bon, bah, ça, on le. Non, bah, dans le sens que moi, si je dis ça, c'est pour lui et pour vous, hein. Attends, je vais m'approcher par ici, carrément. Non, mais moi, je vais juste. Je pas parler, si merci beaucoup pour ton sub, Gartian Félix. Merci beaucoup. Désolé. Ça y est, je me fais engueuler. Oh, putain, non, une minute quoi. Fois, une minute, bordel. Ouais, une minute. Toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton soutien. C'est très gentil. T'inquiète. Et pour vous. Et merci pour la boire encore. Je viens de boire. Attends, je vais m'approcher. T'arrêtes pas. Je vais faire. J'arrive à quelle heure? Oui. Dommage. Erico, oublie pas que t'es chez toi, hein, Narvalo. Hein. Ah bah, c'est vrai. Ah non, bah... On était même là avant les murs d'ici, quand même. Je jure, c'est vrai. Où j'ai mis mon c'est mérité, moi. C'est très gentil, et merci là, beaucoup. Non, on arrive en même temps. On arrive en même temps que ici. Hein ah. Voilà. Super. En même temps que les rocs. T'es arrivé en même temps que les rocs. Si elle a encore des whisky on the rock, c'est des éditions limitées. Oh, je bois pas de cette dope, moi. De toute façon, je pense qu'on en a autant qu'elle. Il est très gitan, lui. Je le jure, le nombre de whisky que j'ai pris ici que j'ai toujours pas bu, je jure sur mes morts, je peux remplir une cave entière, quand même. Non, je t'ai moi, demandé, c'était pour qui whisky à moi, carrément. À moi, derrière toi. Mikey, là, j'ai. Oh, je vous montrerai bien le. Non, Mikey, c'était un whisky et. Bah, moi, c'est bon, j'ai eu mon ice, merci. Ah, pardon. Okay. Alors, attends, tiens. J'ai ça qui s'est enlevé. Et du coup, t'es toujours dans la pourquoi Willy. Ah. Qui est Schmitt? Je savais pas qu'on laissait entrer les Schmitt au Yellow Jack maintenant, carrément. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bah, c'est mon frère. Non, bah, c'est pour ça alors. C'est mon beau-frère. Je suis même pas sûr d'avoir vu une seule fois un Schmitt ici. Ah, bah, va falloir vous y faire, hein. C'est le premier que je vois rentrer ici. Ça a changé. Ah, bah, on s'y fait, aucun problème. Je trouve ça étrange, carrément. Y'a quoi d'étrange? Bah, c'est la première fois qu'on en voit. Avant, c'était presque marqué interdit au Schmitt sur la porte, je jure, c'est vrai. Ah bah, ouais, je sais, mais juste après qu'ils commencent à nous casser les couilles, on est. Puis quand ils ont commencé à nous faire chier, bah, on a arrêté de venir, on était ailleurs, tant pis pour eux. Ah, ça fait longtemps que. C'est quelqu'un, moi, ouais. Ah ouais. Pardon. D'accord. T'as dit quoi? À peu près, ça fait ouais. Deux mois. Je sais pas, j'ai pas calculé, franchement. Pardon, désolé, mais les burgers qu'elle fait, ils sont incroyables. Non, ils sont dégueulasses. Non, vraiment. Quoi? Je jure sur mes mains. Rico, t'as le numéro 1, Mathieu? Mais évidemment, j'ai le numéro 1. Mais qui est-ce qui m'a. J'en reviens. Dan, tiens, je vais appeler Dan, tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, je vais pas envoyer un message, je vais appeler. Qu'est-ce que. Comment ça, vous êtes qui? Je vois, ça fait un moment dehors. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Décroche ce téléphone. Il veut pas, hein. Non. Oui. Oui. Quoi? Pause. Cette question.
Crush ton téléphone. Oula, on a été monté sur la bagnole, ce serait pas mal. Ouais, c'est sonné, hein. Il va bien en avoir marre, un moment ou un autre. Oh putain, il y a un lien de Discord en plus, quel enfer. Il y a un lien de Discord MCD maintenant. Bon, ça, c'est le seul truc sur ce Discord, sur ce serveur, le nombre de serveurs Discord. C'est la merde. Salut Rosa, comment tu vas? Écoute, ça va pas trop mal, merci. Dis donc, il lui arrive quoi à Nash? Parce que... Il a perdu la mémoire. Ah. Ok, il s'est passé quoi? Oui, oui, je suis là. Allô? Tu m'entends? Allô? Allô? Téléphone de merde. Ah. Je pense qu'elle a crash. Qu'est-ce que ça marche ça? Non, toujours pas. J'essaie de rappeler Rosa. Toujours pas revenu. De qui il était proche aussi?
Jiménez. Fantastique. Vas-y Karim, écoute, moi je dois aller travailler là, j'ai un événement à gérer ce soir carrément, je dois aller faire la sécurité là. Donc, vas-y, ça marche. Bah on se recapte. Hein. Voilà, ouais, apparemment il y a une manifestation, je sais pas quoi, contre l'esclavage des noirs, je sais pas quoi, j'ai pas tout compris, c'est quoi non, l'événement c'est Qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est une commémoration. Hein? C'est une commémoration contre l'abolition de l'esclavage des noirs. Il doit être bourré mon boss, il a encore moins rien compris. Tout va bien. Oh, je jure sur mes morts. Bon, bonne écoute, soirée. Je vous souhaite une bonne soirée, carrément. Bon courage, bon courage, monsieur Schmitt, si vous prenez le service. C'est gentil, merci. Allez, des bisous, carrément. Ouais, c'est pas sûr que je prenne mon service, mais j'aimerais bien que l'autre con il me réponde, là. Putain. Comment ça que t'es pas sûr que tu prennes ton service? J'ai un ami qui a perdu la mémoire à sa première vue. Quoi? Nash. Qui? Ah oui, Nash, oui, effectivement. Mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste eu le temps d'apprendre qu'il a perdu la mémoire et j'ai pas plus d'infos. Ça me casse un peu les couilles là tout de suite. Ah. Mais non, il se passait quoi comme dinguerie? Ouais, il reconnaissait plus personne, il a insulté des personnes qui étaient super proches de lui, c'est n'importe quoi. Mais depuis quand? Oui, mais vraiment. Bah, depuis mais c'est arrivé quand? Depuis qu'il a perdu la mémoire, depuis... Oui, mais c'était quel soir? Il reconnaissait plus personne. Ah, je sais rien, tout de suite, au lieu de répéter la même chose, bordel. Je sais pas, moi, j'ai une oreille qui traîne un petit peu au garage, tu vois. Oui, bah, peut-être que ton oreille avait entendu d'autres choses, j'en sais rien, moi. Non, j'ai pas entendu la date ni rien, mais en tout cas, de ce que j'ai compris, il reconnaissait pas les collègues, c'était un Nash version... Super. Version bizarre, très bizarre. Nash, c'était cette date du 8. Ah oui, quand même, déjà, merci. Vous savez ce qui s'est passé ou pas? Ouais. Donc ça fait 2 jours. Ouais, mais t'as vu Secret Médical? Je sais pas, okay, si je travaille à l'hosto. Ah. Moi, je suis un ami, un collègue, mais c'est normal, je comprends. Pas de soucis. Pour pas se tailler son téléphone, ce trou du cul. Agace! C'est à quelle heure le rendez-vous, Mikey? Normalement à 22h, donc on va pas tarder à y aller. D'accord. Ok, ok. Mais ça va se passer comment là? De quoi? Ils vont me poser des questions, tu penses là? Ils vont me faire quoi là? Je sais pas du tout. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que tu seras devant un juge. Quoi? Ah oui. Mais je suis innocente carrément, j'ai rien fait là. Mais non, mais c'est pas. Mais oui, oui, alors, je t'ai pas reconnu, t'as bordel. Façon d'aller voir un juge. C'est quoi? Ouais, j'ai changé de style carrément. Grave, c'est bien. Oui, là. Mais je viens de percuter que c'était oui, en fait, je l'ai pas reconnu. J'ai pas. Ah ouais, non, tout va bien, ouais. Mais c'est la tenue, c'est la coiffure. Ouais. Peut-être qu'elle non, non, mais reste comme ça, ça va bien. Ah mais oui, c'est là un déjà, peu oui. Plus moi, là. Attends, ouais. Ouais, c'est sûr que là. Là, c'est moi, là. Attends, je vais voir où est Ouais, oui, bah ça arrive, hein, non, mais je comprends. C'est les vieilles habitudes, hein, c'est tenace. Bah ben ouais, c'est ça. Des fois j'ai envie d'être zen, alors là je m'énerve, hop, waouh, colère, hop, je suis zen finalement. Ouais, ah oui, à ce rythme-là. Ah ouais, c'est. Ouais. Je suis comme ça, j'ai des problèmes d'émotion. Ça, oui.
Je suis un peu sur le film tout le temps. Toujours un peu limite, oui. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas toujours facile, hein, non, ça c'est sûr. Si vous voulez, j'imagine bien. J'imagine bien. Mais en tout cas, je fais plus. Mais c'est bien ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour te dire, maintenant, là, je vais. Eh bah, toutes mes félicitations. Oui, merci, carrément, merci. Ah bah, justement. Oh. Oui. Il faut aller, toi. Ça va. Ça a l'air, ouais. Ouais. Elle est en craquage de nerfs, surtout. Il se passe. Non mais on m'a reproché d'avoir embauché des personnes sans en parler à mes associés. Quoi? Petit, patata. Ouais. Après je comprends, j'aurais dû leur en parler aussi, hein, mais j'aimerais bien leur parler ailleurs que sur l'intranet, mais bon. Enfin bon, dans tous les cas, là ils vont voir pour les bières, etc. Voilà. Oui, on n'en a pas pour longtemps, de toute façon, j'ai juste un petit truc, et après on est là pour tenir la barre, y'a pas de soucis. Nickel. Qu'est-ce que je veux dire toi, respire. Ouais, parce qu'un jour, tu vas juste accoucher ici, en fait. ouais, non, alors si ça arrive, je l'emmène direct à l'hôpital, hein, clairement. Ouais, bon, après, faudra bien qu'elle veuille quelque part, de toute façon, hein. Ouais, ouais, bien ouais. Y'a personne qui a pris! Y'a personne qui a relevé! On revient, tout ça, enfin, on fait ici, on revient, et puis après. Ouais, et vous pouvez, je peux juste vous laisser mettre. Personne qui a relevé! Que c'est fermé du coup. Salut Manu, ouais. Comment vas-tu? Tu le fais? Ce que tu veux. Vas-y, fais. Fais, moi je. Bon, bah nous on y va parce qu'il nous reste plus que 10 minutes avant le rendez-vous. Allez, ouais. Allez, bon, on s'occupe de ça, on va. Bon, moi je vais essayer de trouver Nash et tu m'appelles quand il y a les parents? Ah oui, oui, bah justement, j'aimerais bien qu'il me réponde, ce con. Oui, il est au courant. Ah ouais, genre, il sait pas qui je suis et tout, hein. Il se croit en 2017. Ah ouais, il se croit en 2017. Ah ouais. On prend ton bison, hein. Oui, on prend mon bison. Ah ouais, on est là, quoi. Ciao, Frangine, bisous. Bisous. Rassure-moi, c'est la caisse de la boîte, ça. Ah ouais. Mais ouais. Bon, moi je vais derrière. Hop là. Allez. Putain, qui c'est qui peut savoir où il est? Juste voir un truc. Allez, tout de suite, hein. On va y aller, bougez pas. Bon, on va déjà redescendre en ville. Putain, Nash 2017. C'est rien, il pourrait être, bordel. J'ai pas le numéro de sa sœur. C'est pas une vache, lol. Oui, bah je sais bien que c'est pas une vache. Mais je pensais que les gens allaient réagir inerpé, tu vois, mais même pas, quoi. Je suis déçu. Je suis foncièrement déçu. Putain.
Elle avance plus du tout la bagnole, c'est une cata. En vrai, sur l'autoroute, t'as presque meilleur temps de rouler sans les codes, hein. Tu regardes sans les codes, ça tape jamais. Bon, à part quand j'essaie de me faufiler dans un trou trop petit, mais ça tape jamais en vrai. Du coup, c'est oui, oui. Oui, oui. Coup, carrément, c'est oui, oui, merci de m'avoir présenté Yona. Quand j'allais pas bien, ça m'a sauvé la vie. Putain, elle s'en souvient. Ok, c'est cool. C'est cool. Ouais, mais. Je m'attendais pas à ça. Ah oui, alors attends, parce que maintenant on a 3 parkings. Je me souviens plus. Attends, faut que je regarde sur l'intranet. Oui, je disais intranet, intranet, métro, 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 putain, c'est où, là, c'est une génération de l'organisation, affaire de fusil, on s'est attaqué au développement, métro unit en place, en devant, devant, celui-ci, en Buffalo d'Astron, de montre étranger dans cette partie, métro et rien d'autre pour vos véhicules personnels et ou de service. La zone des colonnes 1 à 5 vous est réservée. 1 à 5. Non. Ouais, nouveau mapping du parking. Je crois, je sais pas si c'est tout le poste ou juste le parking, on va voir. Vous avez le son du jeu moins fort ? Que je voulais faire, bouge pas. Ah oui. T'as mieux comme ça? On est bon. Maintenant, c'est où qu'on range les bagnoles? Perdu. Oh, je suis perdu. C'est le bordel. Alors attends, Vinewood CS 1 à 5. Ah, il est là. C'est le Speedy Vinewood rangé. Et normalement 02, elle est là, ok. Nickel. Maintenant. Dis-moi pas que c'est tout le poste qui a été changé. On a un ascenseur. Ah non. Ah bah non. Peut-être l'autre. Bah non. On va prendre les escaliers, c'est bien les escaliers aussi, hein. Pas du tout ça, je le connais pas. C'est un enfer. Oh mon dieu, c'est un cauchemar. Alors attends. Mac shot évidence, front desk, conférence, classe, kitchen, armor. Putain, armurerie.
vestiaires si vous voulez vestiaires. Achetez vos vêtements. Honnêtement. Irrigation. Salut Xanthas, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. À part que je suis perdu. Mon niveau 2, oui je pense. Bah écoute, tant qu'à faire, on va visiter hein. Ah nique ta mère, c'est où? Parce qu'on a brandé ton... Ah, on est au moins 1 là. Comment ça on est au moins 1? C'est-à-dire que le parking est au moins 2. Ok. Continue à monter. Ça va bien. Et je suis de retour des vacances. Bah c'est cool, ça c'est bien. C'était bien tes vacances. Oula. Ok. C'est bien passé, c'est cool. C'est parti. T'étais où? Front desk, ça va certainement pas être là. C'est l'entrée. Classroom. Oh là là, c'est le bordel. Oh ce bordel. On va bien finir par trouver les vestiaires. Hein. On a pas des bureaux ça quand même hein. Bon, avant de creuser de quelqu'un puis de me faire engueuler, on met les lunettes. Mallorque pour rejoindre tes parents. Ah bah cool, dis donc. Cool. Allez. On va encore au-dessus. Oh putain, faut monter tout en haut à chaque fois, c'est une blague ou quoi? Ah. Ah bah ça c'est problématique, dis donc. Quel enfer! Ferme cette putain de porte. Oh mais quel enfer! Allô, le flou de mes deux. Office machin. Meeting room, control room, open workspace. Juste en dessous. Si elle a acheté vos vêtements. Hein? Locker room. Chou là. C'est tout droit avant? Alléluia. Métro 14. Équipement 91. Métro 91. Ouais. Ok. Il y a un autre coffre quelque part peut-être? Non, il n'y a pas un autre coffre. Il est passé où mon... Putain, il est où, passé où mon sac? Est-ce qu'il l'aurait foutu dans ma bagnole? Oh quel enfer. Dans le sac métro, j'ai pas besoin de tout prendre déjà pour commencer. Hop. Tac, celui-là on le remet. Où est mon putain de sac? Je vais vérifier. Classroom, classroom.
un sac au fond, un coffre au fond. Non. Nous sommes ayant changé d'impression et suicide désormais au niveau du. Ah putain, c'est marqué là. Je vais voir dans ma bagnole, hein. Ok, là on est. Ok, ça c'est le fameux palier, très bien. On va y arriver, on va y arriver. Peut-être on les sacs à les speedy, éventuellement, mais ça m'étonnerait qu'ils aient renommé mon sac machin, tu vois. Et au pire, je vais appeler Lightwood, hein, si vraiment. Hop. Alors, voyons voir. Ça, c'est Medikit GPB extincteur, ok. Monte dans la voiture. Non. Ok. C'est problématique. C'est problématique. Allez. Bon, c'est la dernière solution qui reste, hein, de toute façon. Non, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, écoute, on va faire plus simple. Parce que là, c'est un enfer. C'est quoi ce message ? Ici l'exotique, c'est au garage régler la facture du. Oh putain! Oh, mon dieu! Oui, bonsoir, lieutenant, mes respects. J'étais en train de chercher mon sac avec mes uniformes et j'arrive pas à remettre la main dessus. Vous savez où il est passé ? Par rapport à la réorganisation ? Non, j'en ai aucune idée, non. Non ? Au niveau du coffre ? Non, il est pas dedans, justement. Au niveau du coffre. Ok. Ça marche, merci. Pas de soucis, bonne soirée. Stay safe. Bonne soirée. C'est sérieux. Ok, c'est pas elle. Je crois qu'elle est pas là. Ah, ça casse les couilles, ça. Faut tout refaire, sérieux?
c'est abusé. Eh ben, faut que j'aille à Vespucci. Je repose mon Remington. C'est tout ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je... Après, faudrait que je fasse tous les sacs de transport là en soi. Mais sacs de transport, c'est les. Quand tu les achètes, ils sont sacs de transport. Oh, je sais pas où il est passé le sac, laisse tomber. À moins que je puisse tout acheter ici, mais à mon avis, je vais pas pouvoir tout acheter ici. Non, je vais aller voir. Je vais quand même voir Vespucci parce qu'avec un peu de chance il est là-bas. J'y crois pas du tout mais on sait jamais. Et au moins là-bas je suis sûr que je peux acheter ce que j'ai besoin. Et des dollars. Et 500 dollars, on est bon. Oh, va falloir faire la tenue de cérémonie et tout. Blême. Bon bah c'est parti. Le problème c'est qu'il y a mon... Ah mais non putain, la merde c'est qu'il y a mon... Ok. Le gros souci en fait, maintenant que j'y pense et qu'on en parle, il y a mon arme de service dedans. Où est-ce que je me suis changé à Vespucci? Non, je sais plus du tout. Hein. Ah bah oui, il y a tout dedans, mais le surtout le gros problème, c'est l'arme de service. Le reste, en soi, voilà, mais... De toute façon, c'est sûr, moi je l'ai déposé dans un des coffres du PDP avant de la dernière fois que j'ai bossé, ça c'est sûr. Donc c'est de toute façon pas moi qui l'ai perdu, hein. L'arme de... Putain, ouais, non, bref. C'est pénible ce genre de truc quand même, hein. Pas dire, mais... Bon, c'est parti. En espérant que... Bon, tout de suite aller voir ici. Voilà. C'est mon ancien sac, hein. Ouais. Ça, c'est mon ancien sac.
Machin. Eh ben non, super. Merde, c'est pas du tout ça que je voulais. J'ai cliqué à côté, désolé. Intranet. Nilo. On va appeler le superviseur. Hein. Ah bah oui, le sac il est perdu là. Bon, et ben, alors, 2 minutes, et puis on va faire les tenues, et puis voilà. Il y a quoi, il y a la tenue de cérémonie, il y a la tenue manche courte. Heureusement, les tenues SWAT, elles sont dans l'autre. Une cérémonie. Est-ce que j'ai encore les gants? Bonne question. Oui, j'ai encore les gants. Ok. Ok, ok. Ah, mais merde! Oh, ça me saoule de devoir tout refaire. Le gilet jaune. Je vais reprendre un Kevlar. J'espère que l'armurier il est encore ici parce que pour l'instant à Vinewood il est pas dispo l'armurier. Majoritairement des trucs que je dois acheter. De tous les pièces en plus, les machins, les trucs dont on s'en fout en fait. Ah, ce que je vais faire, la tenue de cérémonie, je vais faire la tenue, mais sans les gants. Il y a des fois, faut qu'on ait la tenue, mais pas les gants, enfin bref. Alors. C'est parti. Reste de face, s'il te plaît. Merci. Alors, cabine torse. On se parle laquelle? On se parle la PO2. Ouais, juste la tenue avec la cravate, exactement. Ok, alors, hop. Pas de gants. Le pantalon, on va dire directement. Ah. Ah. Chaussure. Oh, c'est celle-là, je crois. Hein. Faut mettre le bon pantalon, hein, parce que fuck. Là. Ensuite. Petit pantalon. Pas long, tu dis. Ah si, par rapport à l'autre avant. Ouais, non, t'inquiète. Le holster. Peux-tu lever les bras, s'il te plaît, merci.
Le holster. Non, c'est bien celui-là. Il y a que les holsters là. Ok. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il y a un truc qui va pas du tout là. Attends. Oui, je veux vider le panier. On recommence. Torse. Sur. C'est ça. Il y a une bagnole cachée pas où dans le poste. C'est un enfer. Le pantalon. Et là. J'ai fait de la merde avant, attends. Ça. Ceinture. C'est ça que j'ai oublié. On peut faire les gants aussi, peut-être, déjà. Masque, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est que des lunettes là. Hein. Ah non, il y a un bodycam. La bodycam, on va l'acheter. Donc je viens de le faire. Voilà, lunettes non oreilles, il y a rien. Il y a un truc qui joue pas là. Non mais. Non, bonsoir, non, j'ai vu personne. Parfait, merci. Plaisir. Oui, vous aussi. Faites attention à vous. Il faut que je l'achète. Je vais y arriver, hein, trouver ce que je cherche. C'était pas du tout accessoire. Il y avait là. C'est celui-là. Short, tu dis? Bien vu. Merde. Le taser, il est... Oh putain. Jaune, non? Un doute. C'est le vert. Pur, hein. Oui, parce que... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est... Essayez. Le holster, c'est le bon que j'ai mis. Le holster, on va vérifier quand même. C'est soir. Ah. Y est. Dur aussi. PO2, manche courte. Avec la création de vos tenues, et que c'est un... Putain. Courte. Pas du tout ça que je voulais faire. Baisse les bras, non. Okay. Alors ça c'est quoi? C'est la bodycam.
Bodycam. Et renommé. Il est. Et ici on a le Kevlar. Ouais, j'ai pas encore pris le badge, je me disais. On va enlever les lunettes. Ah. Bah non, mais. La mise où ? Il m'a pris les thunes. Oh, je vais serrer. Il me l'a pas créé. Pourquoi tu veux pas, putain? Mais c'est un enfer. Sérieusement. Bah ah oui, je vais avoir le choix. Quel enfer! Mais quel enfer! Que là, je vais devoir tout recommencer, hein. Super! On est content! C'est la fête! ça fait plaisir à voir. C'est compliqué quand c'est comme ça. Hein. Putain, nique sa mère la crampe. Unicorn. Bon, est-ce que j'ai de la chance et que ça m'a gardé la tenue? Je ne pense pas, hein, mais on peut toujours espérer. Ouais, ok, d'accord. Je pense qu'on a la réponse. Allez. Un truc. Ok. Vol d'une primo, je sais pas pourquoi. Eh ben oui, mais pour l'instant, je peux pas bosser. Allez vous faire foutre. Et bonsoir. Félicitations, sergent. Merci. Bien, bien. Très ah, bien, on vous se voit maintenant. Oh, petite question, est-ce que vous savez par hasard à Vinewood, j'avais mes deux sacs, j'avais mon sac métro et mon autre sac, et il n'y a plus qu'un sac métro. Vous savez pas où il est passé par hasard? Ouais. Alors oui, il y a eu un... Comment dire? C'est là où on dit force à moi. Ok, d'accord. Vous avez bien regardé dans le... Dans le à Vinewood? Oui, 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 4 fois au moins. Oui, oui, oui. Ouais, y a non. Rien. Il y a mon sac métro, mais il n'y a pas mon sac d'équipement. Ça,
vrai que j'ai pas vu de cet équipement 14. Vous avez regardé dans l'armurerie à côté? À Vinewood? Oui. Non, non, juste ici là, à côté. Non. Il est rien non plus. Il est juste derrière les casiers, il faut échanger. Et bah écoutez. Alors, en soi, les tenues, bon, je peux en refaire, c'est pas un souci. Moi, ce qui me pose surtout un souci, c'est que dedans, il y avait l'arme de service. Ouais, ouais, mais c'est... Oui, 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 c'est l'équipement, oui, moi aussi, ça m'embête. Mais vu qu'il y a eu un changement de coffre à Vinewood. Ouais, tu veux la blague? Sac. Mais tu fous ma gueule. Ok. Je m'en bats les couilles. D'accord. J'ai compris le message. Bon. Effectivement, je peux regarder ce qu'il me reste dans ce coffre, dans ce sac-là. C'est un bon début. Alors. Mais attends voir. Est-ce que ça, si je dis pas de conneries, ça nous fait la tenue de cérémonie normalement? Merde, attends. Hop. Si je prends ça, que je fous la bonne tenue que j'avais avant. Tenue service PO. Ben voilà, on a une tenue de cérémonie. Oh, il faut juste rajouter les gants. Nickel. Cabine d'essayage, gants. Que trouver les bons maintenant. Oh. Ça fait pas vraiment gants latex, dommage. On est pas mal là. Ok, les gants blancs c'est fait. Ah, je les avais là. Merde, j'ai pas fait gaffe, je les avais. Alors ça c'est bon, ça faut que je jette. Le badge, le holster, le bandeau noir. Ah oui, ça c'est bandeau noir aussi. Ok, on a le badge. On a la bodycam. Il me manque le PTT. Oh, c'est un bordel en plus avec l'inventaire. J'ai le gilet, j'ai le Kevlar, j'ai la bodycam, j'ai le badge. Hop. Ah. Tenue de cérémonie. Avec les gants. Ok. Du coup, il me faut le PTT encore. Il faut que j'achète. Enfin, faut que je trouve. Ah oui. Ok, c'est pas là. Gant masque. Non, c'est pas masque, on a déjà regardé masque. Main droite. Non. Main gauche. Non. Ouais, ce fucking PTT de merde. Pantalon, chaussures, Kevlar. Peut-être. Oui. Des variants. Non, il n'y a pas de variants. Hop. Ok. Dégage. Donc, bodycam, badge,
PTT, le gilet HV, le Kevlar. La tenue de cérémonie, le machin, il faut juste qu'on fasse encore... hop. En vrai, je vais partir de là. Non, on va prendre tout. Non. Hop. On va dégager la montre. Là. Et puis on va dégager les lunettes. Maintenant, cabine d'essayage. Torse. Hop. Gants. Ils viennent assez vite normalement. Ou alors le pionnier de prendre. Ok. Les gants, c'est bon. Pantalon. Allez, des zooms, s'il te plaît. Merci. Le pantalon. Essayez. Chaussures. La caméra est vraiment casse-couille. Hein. C'est celle-là, si je dis pas de conneries. Oh, oui. Les chaussures. Badge machin tac tac, il me faut la ceinture et le holster. Accessoires. Et celui-là là. Hop. Le holster. Et la ceinture, on a dit que c'était où déjà? Putain, je sais plus. Putain, je sais plus. C'était là aussi, non? Non, elle est pas là. T-shirt. Merci, Carole. Merci, monsieur le œil de lynx. Avec le verre. Essayez. Chaussures tac-tac, le badge. La bodycam, le PTT. Ok, normalement on est bon. La tenue essayée. C'est un enfer. Manche courte. Pourquoi il veut pas? Si c'est bon. Si c'est bon, il y en a pas 50 des hauts hein. C'est celle-là. Hein. C'est celle-là. Je sais plus quoi faire. Quel enculé de merde. Ah ouais, mais il te la crée, mais Nakash en fait. C'est un enfer. C'est un enfer. Manche courte gants, manche courte gants médicaux, OPO1. Y'a pas une tenue fit 3 plus 1. Une cérémonie. Je peux pas. Pff.
C'est casse-couille. Vraiment, c'est casse-couille. PO1, 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 Marsouin 2. Il y a encore plus. Tenue PO1. Badge, plaque, etc. Il n'y aura pas cette chance. Aberrant. Petite question. Oui. Mon sac qui a disparu là, comme vous avez compris, machin. Enfin bref, je suis en train de refaire mes tenues, mais j'arrive pas à prendre la tenue dans le carton là-bas. C'est-à-dire qu'à chaque. Ah, bah, allez, oui, alors j'y suis déjà allé. Retournez faire pipi, d'accord. Ouais. Ouais. Je vais vous aider. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il n'arrive pas à prendre ses tenues dans son. Samedi. Salut. Bonjour, pardon. Samedi, qu'il y a toujours un problème d'étiquette, etc. Et j'arrive pas à la prendre en fait. Écrivez n'importe quoi sur l'étiquette. Écrivez n'importe quoi et au bout d'un moment ça va fonctionner. Puis après vous la. Oui, j'ai fait aussi. Ouais, dégribouiller dessus. Oui, ça a marché. Ça a marché deux fois. Écrivez DZDZDZ. Ouais, c'est bon, ça marche. Vous avez tenté de faire une sieste ? Alors, j'ai forcé et j'ai forcé plusieurs fois. Il m'a fini par vouloir me la donner deux fois, mais non. Il prend l'argent pour le pantalon et il me donne pas la tenue. C'est un peu la merde. Oui. Et bah. Ouais. Force à vous. Ok, chômage technique. Plus, hein. Alléluia. Non, bah, je vais essayer de faire une sieste et puis on va voir. Hein. Comment ça, non, mais c'est une blague. Je vais essayer de faire une sieste et on va voir. Allez-y, de toute façon, on peut pas. Ouais. Par rapport. C'est pour ça que vous. Non, c'est pas pour Nash. Ah oui, Nash. Ouais, j'essayais d'avoir des nouvelles justement. Par rapport à l'email pour la HSU, j'étais un peu malade et pas très là ces derniers temps. C'est surtout pour ça que vous avez pas eu de nouvelles de ma part. Eh ben, fallait nous prévenir. Ouais, alors je l'ai pas fait parce que c'était à chaque fois moins des jours X machin, mais ok. Ouais, mais au moins nous prévenir que vous étiez moins présent. Ah oui, c'est etc. que j'ai dormi très longtemps, okay. On va dire. C'est surtout ça en fait. Mais pas de souci, ça marche. Dans tous les cas, vous pourrez repostuler du coup à la Traffic Division qui a été annoncée. Ok, donc, ça marche. On vous tiendra pas compte du. Comment dire ? Ça marche, on fait ça. Bonsoir. Toi. On vous tiendra pas compte. J'ai perdu le nom. Oui, j'ai compris. De votre absence. Pas de soucis. Oui, y a pas de soucis. Vous m'avez compris. Juste par contre, à l'avenir, si ça se reproduit, essayez de nous prévenir, même si voilà, vous n'êtes pas absent total, mais que vous êtes malade, etc. Comme ça marche, pas de soucis. Quoi. Ça sera fait. Merci. Parfait. Bon, bah, je vais réessayer. Oui, merci à vous aussi. Bonne soirée, du coup. Stay safe. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci. C'est soirée vestiaire ce soir. Putain, quel enfer. Ah. Attends. On va essayer. Alors, DZ, je sais pas quoi là. Faites forcer. Hein. Non. Putain de blague. Ah, il mérite de s'éniquer seulement. Je vous dis, il y a une bagnole dans le poste, c'est sûr. Oui, non, pas en slip. On doit être au-dessus, je pense. Winchester, c'est non, mais il y a une voiture quelque part qui doit pas être là où elle est. Oui, vous inquiétez pas. On a oui. Mais le bruit commence à faire peur du vestiaire. Non, enfin, bref. C'est totalement faux, mais on va y aller. C'est faux, on gère rien du tout là. Ceci dit, JPP, DZ, c'était vraiment la solution.
Bah oui, mais on vous l'a dit. Attends, mais c'est ça qu'on utilise. Mis n'importe quoi aussi, j'ai mis un 2, 3, 4 des points, j'ai mis plein de trucs, et des Z, mais bordel. Merci. Oh putain, incroyable. Il avait même pas une taille, il avait un tractopelle en fait. Non mais attends, il... Du coup pour mon Glock, j'en reprends un et je renonce le numéro de série. Déclarez-le en perte déjà. Mais j'ai rien perdu moi. Non, attendez. J'étais pas là. Commencer, est-ce que vous avez contacté d'abord soit le lieutenant Lightwood ou soit le capitaine Stafford? Lightwood, oui. Est-ce que vous avez contacté le capitaine Stafford? Je sais que là ce soir ça va être compliqué, il est pas trop disponible, mais c'est lui qui a fait le transfert des coffres. Donc c'est peut-être il a peut-être une idée, peut-être qu'il l'a oublié quelque part ou j'en sais rien. Mais... Je peux essayer. C'est possible, ouais. Mais autrement oui, bah faut déclarer le vol et la puis, perte. Perte et puis. Ça marche. Mais normalement on vous y tiendra pas ailleurs étant donné que c'est. Bah de toute façon j'étais pas là pendant X jours, enfin 2 jours, 3 jours, donc c'est sûr que ça peut pas être moins. Non mais de toute façon oui, je me rappelle avoir vu votre sac, mais c'est vrai que là j'ai pas fait attention à celui qui était. Alors. Évitez de se tromper de Stafford. C'est écrit NIE. NIE. Vous le niez quelque chose. NIEZ. Bah, si c'est vous, c'est N-I-E-Z. Voilà, mais sinon, non, c'est un E. Il, c'est N-I-E. I-E, ouais. N-I-E, tout simplement. Je suis pas très très fort non plus, moi, dans ce genre de truc. T'en fais pas, j'ai bouffé des béchuel pendant longtemps. Bah, en tout cas, sachez que c'était un plaisir, sergent, d'avoir débuté ma carrière sur ça. Franchement, incroyable. Les autres à côté, ça va être My Little Pony, quoi. Hein. C'est fou. Wow. Quoi? Ok. Non. Par contre, on m'en parle que ça a duré beaucoup trop de temps. Mais ça a vraiment duré trop de temps, par contre. Hein. Ça fait une heure et demie. J'ai envie de caner. Ça fait une heure et demie. Enfin, à peine, on a commencé à 15, mais ça fait que... Ah bah si, je suis trop con, ça fait vraiment une heure et demie. Ah, c'est très grave. C'est comme ça tout le temps, sergent? Toi, c'est plus soft, quand même. Grand chien, grand machin... J'ai l'impression qu'on est tombé sur un niveau... Ça, je peux les ranger, ceux-là. Hop. Non, on va les mettre là. Bon, on n'est pas prêt de bosser ce soir, hein, je vous le dis. Super. Super. Allez. Mon téléphone. Oui, dites-moi. Les clés de votre bowler, je demande au sergent s'il a ça. TSM PLS. Dans votre portefeuille. Sergent, est-ce que vous avez un sac avec les clés d'un véhicule sur vous? Le sac de stone. Regardez hein, si vous les avez pas personnellement. Attendez. Oh, nique sa merde! Là, oui. Ouais. Non mais oh. Vous avez oublié. Mais quoi? Attendez, vous m'entendez ou pas? Oh aïe, c'est Zobby, c'est l'enfer là. Vous m'entendez? Oh oui. Ok. Non. J'ai que les clés de son scout. Quel enfer, bordel de merde. Je pense que je suis connecté mais pas connecté, c'est ça? Il y a un souci avec TS. C'est la merde!
Merci la merde. Bon, on va faire mes TS aussi. Même si ça vient pas de mon TS en l'occurrence. Hop, hop. Ok. Il y a tout le monde qui se fait déconnecter et reconnecter en chaîne en fait. Oh, le bordel. Ah oui, c'est le gros bordel là. En gros, ça donne ça. Le merdier. Ça cause, ça décause, ça cause, ça décause. Oh là là. Bon, bah, ça va compliquer les choses pour ce soir, je crois. Hein. Ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. C'est faux. Rien n'est sous contrôle. On est voir. Ils sont en train de check pour trouver le souci. Mais qu'est-ce que je fais là? Ça me saoule de devoir déclarer moi la perte alors que j'ai rien fait ça, et que j'étais pas là. Ça casse les couilles. C'était où déjà ça? Perte vol. Alors. On a le template qui est pour ici. Et hop. Ouais, c'est ça. Coller. C'est le code, pardon, alt. 5. 05 2022. Matériel. Sac. Avec plaisir. Mes respects, sergent. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend très très bien, sergent. Vous allez bien? Oui, on vient et tout. Très bien, merci. Motif. Ouais, un peu envie de caner ce soir. Problème d'oreille pour tout le monde. Non ouais, bah c'est les acouphènes, c'est à cause de la soirée, en fait, il y a trop de musique. Ça. Un transfert. Lié. Genre de musica, tout la musica. Hein. C'est ça. Oh. Eh ben moi qui voulais partir en patrouille. Moi qui voulais sortir en plus une Marie. Tic tac tac. Bon, juste attendre le coup de fil pour le fan service. PDP. Pourquoi? Parce que vous pouvez prendre votre juste un message en lui disant je prends ma fan service et ça suffit. Oh, effectivement, vous avez raison. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'appeler, justement, je recommande ça quand on est à la Police Academy, je recommande de ne pas appeler le dispatch, mais de laisser juste un message en me disant « je prends ma fin de service » afin de ne pas polluer la... les vocales bien évidemment, téléphoniques. J'ai perdu mes mots, mais vous m'avez compris. Je vous ai très bien compris. Parfait. Non, parce que bon, on est peu de fois, j'ai pris le dispatch un an. On va faire plus, ça ne bouge pas. J'ai pris une fin de service. Wouh.
Ah. Qu'est-ce que... Il est où le chat? Non, non, ah non, non, je suis allergique au chat. Non, non, mon je suis allergique au chat. Il est de retour. Sac d'équipement, arme de service. Non, mais je suis allergique au chat, non, mais... Je sais même pas. Plus taser, matraque, radio, lampe torche, buddy cam. Je suis obligé de savoir où est-ce qu'il est. Mais non, justement, je veux éloigner de vous pour que vous puissiez être tranquille. Okay, mais non, je peux vous... Ah. Bah, je crois que... Motif perdre du sac. Attendez, c'est officier comment déjà? D'équipement. Putain, je l'avais pas. Alors que moi j'ai mis lors des transferts de coffre. Mais vous avez vu combien vous êtes lié ouais, mais bon, aux travaux du poste de Vinewood. Déjà un miracle que j'arrive à tenir les gens. En fait c'est, je sais que je vous connais. Déposé. Mais après le nom à ma fin de service. Et le vôtre. Hopkins, impossible Reagan, à retrouver. Sergent Ronilo et Kazeliov. Voilà, c'est ceux que j'ai retenus. C'est déjà pas mal. Ah, il y a Walter aussi. Oh, c'est bien. Vous en faites pas. Vous avez déjà retenu un peu. Hop. Ça viendra au fur et à mesure. Tiens, on va mettre ça dans formation complémentaire. Hop. Ou peut-être pas du coup. Bah, oui. Posé à ma fin de service est impossible. À retrouver lors de mon service suivant. Bon, bah, j'ai envoyé un message à Teshima, je vais vous souhaiter une bonne soirée, c'est safe, sergent. Ouais, oubliez pas de vous retirer du dispatch, de mettre votre fin de service, vous retirer de quelconque adam dans laquelle vous étiez, et vous pouvez ensuite vous changer, mettre votre équipement dans le coffre, et je vous souhaite une bonne nuit. Merci de même. Et félicitations pour la promotion, en fait. Gracias, bravo. C'est correct, comme j'ai déclaré la perte. Je sais pas, moi je la vois pas. Dans, hein. Bah, dans la, sur l'intranet. Attendez. Bonsoir. Bonsoir. Vous l'avez déclaré où? Dans repère de vol. Lequel que vous avez mis? Le dernier, le dernier. Lequel j'ai mis? C'est jeune de poster, c'est forcément le dernier. Oui, magnifique, merci. Ok. Hopkins. Mon dieu. On l'a perdu. On a mis 14. Hop. Là, là, le gilet HV, le Kevlar, le PTT, les gants en coton, le badge, la bodycam. J'ai jeté, hop. Bon, bah, je vais ramener ce sac là à Vinewood et puis je prendrai pas mon service ce soir, c'est pas grave. Je vais prendre mon arme demain, tranquille. Oui, bonne soirée à vous. Pas. Puis, au vu des problèmes d'oreille de ce soir, on va pas vous. Ouais, bah c'est aussi ce qui fait que je vais pas prendre mon service du coup. Et bah, stay safe. À plus tard. Oh. Bonne soirée. Stay safe. Oui. Ouais, Frangin,
m'arrête. On va... Ouais, je vais faire ça. On va à Mirror Park. Bah, tu me mets un point quand t'arrives. Gamer... Gamerhouse. Chez toi, quoi. Ok, ouais. Ça marche. Je sais plus exactement où elle est, mais ça marche. À tout de suite. Merci, à toute. Alors, go Vinewood, sans niquer la bagnole, si possible. Et le fait que nos parents soient là, c'est une très bonne raison aussi de ne pas bosser. Bon, au moins les tenues sont refaites. Faudra juste que je passe ma demain à l'armurerie, du coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une très bonne raison. Curieux de voir qui c'est qui joue nos parents. Ben voyons. Manque deux trucs. La montre et les lunettes. Putain, je vais me faire avoir à chaque fois ici aussi. Quel enfer. Hopkins s'est passé sergent tellement vite. Entre le premier et le deuxième, il s'est au-dessus encore. C'est là. Ah, c'est là. Sûr. Alors... C'est le bordel dans ce coffre. Et allez, putain. Hop là. Hop, je vais vite pisser, je reviens tout de suite.
Alors, Mirror Park. Mirror Park, hop. Et sa baraque, je sais jamais où elle est. C'est un enfer. Voilà. Oui, ouvre la voiture avant, ce serait peut-être bien. Alors, est-ce que ce que j'ai mis comme moi comme position est juste? Hop. Yep, nickel. Sortir avec les blindés d'ici, ça va être un enfer. Bonsoir. Il va pas tarder. Il y a quelqu'un ? Non. Salut papa. Bonjour maman. Va voir ton fils. Comment ça va papa? Ça va bien. Hop. Mais ça va bien, merci. Ça fait plaisir de te voir. Merci. Bah, fais attention. Salut maman. Comment ça va mon grand William? T'as encore grandi. Non, j'ai fini de grandir depuis un petit moment maman, t'inquiète. J'ai toujours la. Oui, non, c'est non. Qu'est-ce que t'es devenu? Je travaille au SPD maintenant, comme je t'avais dit. Je suis agent. Oui, ça se passe bien. Je suis officier 2. Je suis membre de la maître. Non, je donne pas des ordres encore pour l'instant. Oh, t'es membre. Tu as quel grade? Officier 2. Oh, je suis tellement fier d'être pas mon fils. Vous voulez peut-être vous asseoir? Après ce voyage. Oui, j'ai mal au cœur. Avec grand plaisir. Je vous en prie. Sois poli. Elle est infecte. Ok, ça répond à ma question. J'avais demandé si ça se passait bien. Non, tu vas en foutre une à personne. Tu te calmes. Qu'est-ce qui se passe pas? Pourquoi ça se passe pas? Qu'est-ce qu'il y a? Au moins tout ça. Mais elle m'énerve depuis tout à l'heure à faire des remarques. Attendez, j'entendais moi dans ma tête. Voilà. Quoi? Elle arrête pas de me faire des remarques à la con. Genre. Oui, bah ça m'étonne pas, Eliona. J'espère que tu bois pas dans un bar, bah ça m'étonne pas. C'est ça, rigole, vas-y. Pardon. Ouais, tu m'étonnes. Ah bah oui, c'est... Oui. Il est où mon
petit Willy, tatati, tatata. Oui, oui, William, viens donc me rappeler. Oui, viens leur raconter, William. Super. Vas-y, vite, prodige. De quoi? Je disais, viens raconter à ta petite maman tes petits exploits dans la police. Oh, bah, je fais que mon travail, hein. Oh, t'es toujours aussi humble. Arrête, raconte-nous un petit peu. T'attrapes des méchants. T'as des gros pistolets. Oui, raconte-nous. Oui, alors on m'a enlevé une partie de mes gros pistolets, mais. Pourquoi? Oh, j'ai peut-être tiré un peu sur une collègue. Et sur un collègue aussi. Oui. C'est... Comment ça? Ah, c'est un peu compliqué, il faisait nuit, enfin voilà, mauvaise communication, enfin... Les erreurs, ça arrive à tout le monde, William, il faut pas que tu te... Il faut pas que ça te mette le moral. T'inquiète pas. Oui, mais quand même pour mes malarmés. Mes malarmés font des erreurs, tout le monde a le droit de faire des erreurs. Je dis pas d'erreurs à l'armée. Pourtant, ça s'appelle des dégâts collatéraux, ça, c'est pas la même chose. Exactement. Un enfant qui pose des gars qu'on a Sinon, bah, j'ai bossé sur plusieurs prises d'otages, j'ai bossé sur des terroristes, j'ai bossé. Oui. Sur des terroristes? La sécurité de la ville? Non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à tous les officiers, tout le monde, il n'y a pas qu'à moi. Non, je suis réaliste. Non, je suis réaliste. Qu'est-ce que t'es, hein? Ouais, t'as vu ça? Très modeste, hein? Sinon, je suis. Moi, du coup, je gère mon entreprise. J'ai ouvert le Jack, qui est un bar. Bah, on vient à peine d'ouvrir, donc on tu va dire. Tu tiens un bar trop. Ouais. D'accord. Mais c'est cool là-bas, et puis il y a beaucoup de monde, tout ça. Ok, elle le tient bien, hein, il s'est pas encore cassé la gueule. Je vais redynamiser tout le nord, tout ça, ça va être sympa. C'est bien que t'es. Elle fait beaucoup de choses. Ouais. C'est ça, et je gère une association aussi, moi. Peut-être d'une édition, je crois que ton copain il l'avait dit. Ah, pardon. Bon, sauf que t'as bien reçu, faut que j'en remets gros. D'accord, donc tu tiens un bar. Ouais, j'ai créé mon association. Ah! C'est pour les personnes qui, comme moi, ont été toxico et cherchent à avoir une nouvelle chance. Ah, et tu penses pouvoir aider ces gens? Elle a sauvé la vie de certaines personnes, non? T'as pas plutôt peur que ça te fasse retomber? Non. C'est côtoyer. Il faut que tu sortes complètement de ce milieu-là. Maman. Les gens, bordel. Mais oui, mais c'est pas en traînant avec des toxicos, mon amour, qu'on sorte de tout ça. Si elle est tout le temps avec des toxicos, elle finira par recraquer. En plus, si enceinte maintenant, Eliana, tu peux pas. Ça fait 4 ans, déjà, ça fait 4 ans qu'elle n'y a pas touché. Ensuite, tu sais très bien que c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis ici, d'accord? Et accessoirement... Heureusement que tu es là pour veiller sur ta soeur, on t'en remercie. Bon, alors, il y a eu une période, oui, je veux bien, mais là, c'est plus le cas. Et son association, ça l'a aidé aussi. Et si tu regardes, elle a changé, elle parle plus pareil, elle se comporte plus la même chose, elle est différente. Elle a évolué. T'as vu? Comme un Pokémon. Elle évolue. Elle est passée du sel à mes choux Dracaufeu. Ouais, alors Dracaufeu, exagère peut-être pas non plus. Hein. Ouais, fais attention, prince des flammes, t'as la queue qui crame. Hein. Alors... T'inquiète pas, elle cramera, mon amour. T'es allé la chercher loin, celle-là. Ah, plus ou moins tout de la ceinture, je crois. Ouais, je crois. Ouais, on est grand, mais ça reste dégueulasse quand c'est vous qui en parlez. Oh, t'es bien. Alors, Elio, elle m'a dit qu'elle voulait savoir, moi j'ai pas envie de savoir. Non, j'ai pas envie de savoir. Je crois qu'on avait fait une vidéo dans le temps. Pourquoi? Ah bah, il y a une télé en plus. Oh, t'es que ça fait une sextape. Eh, alors toi, hein. Quoi? J'en ai jamais fait. Quoi? Non, rien. Quoi? Elle fait une sextape? Mais non, elle a pas fait de sextape. Elle a pas fait de sextape, moi. Hein, t'as pas fait de sextape? Mais non, j'ai pas fait de sextape, pourquoi tu dis ça? Je sais pas, comme ça, c'est pour t'embêter. William Perle. Quoi, mais. C'est vrai, William, on veut tout savoir. Rien à savoir, elle a pas fait de sextape. Mais. Oui. Par contre, oui. Comment te dire? Attention. Tu vas perdre ce jeu-là.
Poupa, il est content. Donc lui, s'il en fait une, c'est ok. Par contre, si moi j'en fais une, c'est pas ok, quoi. Oh, tu sais, maman, non, les femmes enceintes, ça marche, hein, sur Internet. Ça rapporte, hein. Waouh. Je vais me suivre derrière les petites discussions très rapidement. Attends, vous êtes sûr que c'est toujours votre fils préféré? Parce que là, il y a des questions qui se posent. Je commence à douter que ce soit celui du facteur. Ah bah oui, vu la voix que t'as, c'est possible, oui. Oh mais t'es le pire, putain, t'es le pire. Mon petit William, t'es vraiment le plus drôle de mes enfants. Ah ouais. En même temps, on en a que deux. Oui bah, c'est le plus drôle des deux. Mais ils sont moins drôles que toi, mon cœur, t'inquiète pas. Toi qui me fais le plus rire. Ouais. Dernière blague que j'ai faite, tu m'as dit ta gueule. C'est parce qu'elles sont pas toujours légères, tes blagues. Comme oui, je suis pas léger. Il y a d'autres choses qui sont pas légères chez toi. Excusez-moi, je vais voir où en est la cuisson. Même si le mot est gêné pour près. Xanax. Ça fait trop long. Oh oui, un petit Xanax. Ah oui, parce que tu tournes au Xanax, toi, maintenant. Non, de temps en temps. Oui, bien sûr. Mais non. C'est Yann. Tu te manques un peu aussi, quand même, un petit peu. Hein. Bien sûr que tu manques, Yann. Oui, bien sûr. Je pense souvent à toi. Dans la chambre, il y a des fous. Ah ouais ? William. Tu penses souvent à moi. J'espère régulièrement que tu vas bien et que tu ne replonges pas. Mais maman, pourquoi t'es toujours convaincue qu'elle va replonger un jour ? Une toxico. Non. Oui, alors non. Par contre, tu parles pas comme ça de la petite. Elle fait tout pour changer. Écoute, chérie, Non. Tu l'as pas vue dans ces dernières heures. Fais tout pour changer. Par contre, on te dit pas du mal de la petite. Merci, d'accord. Papa. À un moment, maman, il faut que tu comprennes que les gens, ils ont le droit aussi à une deuxième chance et ils ont le droit d'évoluer. C'est tout ce que je prends l'avion, tu restes ici, je t'abandonne dans le désert. Non, papa, tu la reprends tu avec, s'il te plaît. Pas du tout, mise en garde. Oui, quoi, William? Maman? Ah madame, c'est pas ça, c'est que vous allez tellement bien ensemble qu'il faudrait pas vous séparer. Je jure qu'elle est dans le T'as raison. Et Yona, tu as le droit à une seconde chance. Elle est là pour faire de toute manière, maintenant, tu n'as plus trop le choix. Ouais. Vu que tu as décidé de procréer. Ouais, d'ailleurs, vous étiez courant du coup que j'étais enceinte d'un enfant. Ça se voit, Yona. Ouais. C'est pas vraiment d'un enfant, oui. Ouais. Comment ça ? C'est vraiment. C'est un troupeau de cochons d'Inde. Ça va sortir avec un gratuit. Ouais. Il y en a deux. Oui. Ouais, bah ça va, rigole toi. Moi de base j'en voulais qu'un et la meuf elle m'assure que j'en ai deux. Eh bah force hein. Et grand-père, calme-toi, grand-père, tu vas te faire mal à ton arthrose. J'en ai rien à foutre. Youpi, je vais les amener chasser. Non, non, tu n'emmènes pas chasser nos petites filles. Ce sont des petites filles. On sait pas encore de quel sexe c'est, en tout cas. On sait pas, oui. Et tu comptes revenir auprès de nous pour élever tes enfants ? Pourquoi faire ? Bah pour qu'on soit là, si jamais t'as besoin d'aide. Bah après, c'est compliqué, sa vie, elle est ici, alors, maintenant. Par contre, vous pourriez déménager ? C'est sûr, elle peut. Ah bah, bien sûr, vous auriez une chambre pour nous ici. Alors. Allez, force. Moi, je vais boire un verre d'eau. Mais je suis sûr qu'il y a une chambre qui traîne, oui. Il y a. Oui, chez Willy, justement. Négatif. Willy a une grande. Maison, négatif, c'est une petite maison. Non, c'est pas possible. Elle est gigantesque en plus. Et en plus, il a même un ponton pour recevoir. Ouais, alors pour ça, il faudrait qu'il y ait un bateau déjà.
Oui, tu peux recevoir un bateau. Oh oui, puis yeah. Dites-vous qu'il gagne 16 000 dollars à peu près. Eh, moi j'ai pas mon entreprise à moi, hein, tu te calmes. Bah, en ayant ma propre entreprise, je gagne pas 16 000 par semaine, hein, je te le dis. Mais vous travaillez dans quoi, monsieur Harper? LS Custom, je travaille dans l'automobile. Ouais, les bagnoles, papa. Coco bagnole. Ah, ça va te plaire, ça, mon amour. Coco bagnole. Vous gagnez des points, monsieur Harper. Un peu de tout. Vraiment un peu de tout. On a de l'européenne, de la japonaise, de l'américaine. Je te ramènerai libre pour là, tu prends. Tu sais, maman, il a pas trop mal, Mikey. Pour les voitures. Quoi? Ah oui, bah tiens, montre-lui la voiture que je t'ai faite. T'es vraiment bâtard. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment écoute, bâtard. Non mais... C'est la pire réunion de famille de tous les temps. Non, j'ai pas compris. Il a dit, tu sais, il est vraiment pas mal en vrai. Ah, excusez-moi. Ah oui, je suis vraiment pas mal, effectivement. Je suis presque comme alors, votre. Après, fils. J'ai rajouté pour les voitures. Oui. Mais en mieux. Sauf que l'occurrence, c'est un peu William. Ah oui, vous pouvez pas être aussi bien, monsieur Harper. Non, mais faut savoir un truc, on s'apprécie beaucoup, mais on se taquine beaucoup. Après, qui aime bien chasser. C'est déjà une bonne chose. Il a de la chance et je l'ai pas encore tué, donc c'est qu'il doit pas être si mal que ça. Écoute, ça fait depuis le début, tu me dis. Est-ce que j'ai une once de peur envers toi? Un peu. Mais... Oui, va voir où il y en a qui là, c'est bien. T'as de la chance que c'est pas toi qui passe à la casserole. Non, je veux dire qu'il me traite de poulet. Mais j'ai envie de dire que t'inquiète pas maman, j'ai envie de dire que dans cette ville, me faire appeler poulet, c'est presque un compliment. Donc c'est pas un problème. Sinon tu veilles un petit peu sur deux, que penses-tu de monsieur Harper? Il est bien. Tu penses qu'il pourra vraiment aider Yona à élever oui, ses pense. Enfants mais... Oui. Il a déjà aidé. Pour plein de choses. Excusez-moi. J'avais dit j'ai trouvé une place. Tu sais maman, si c'était un con, ils seraient pas ensemble. Tu peux me faire confiance. Si c'est probable qu'elle ait des jumeaux. Ça veut dire qu'il est non, désolé, j'ai des mots des mal aux oreilles. Enfin, les oreilles. Bref, compliqué. Vous disiez. Oui. Compliqué ce soir. Je disais que sinon tu l'aurais déjà tué. Non, je l'aurais pas tué, mais disons qu'il serait pas là en train de faire à manger. Simplement. Il fait super bon bien à manger, hein, vraiment. Vas-y. M'en prends une, papa, s'il te plaît. Ça se passe comment? Mal. T'inquiète pas, c'est en train de cuire. J'espère que t'en as fait beaucoup. Ah, je fais une préparation ramen basique au poulet. Ouais, il peut pas s'en empêcher, c'est dingue. J'adore. Il vient de tremper ses doigts dans le... Bah, il avait raison. Dans ce que tu prépares. Merci. Ça va, maman? Elle médite. Elle a encore mal à la gorge. Ouais, moi aussi, j'ai eu quelques mots de gorge. C'est une des raisons pour lesquelles je travaille pas ce soir. Hein. Et l'autre raison, c'est qu'ils m'ont pété les couilles parce qu'il y a eu des rénovations à Vinewood. Il reste mon sac avec le matériel métro, mais mon sac d'équipement a disparu. Donc je suis allé refaire toutes mes tenues, mais le problème, c'est que dans mon sac d'équipement, il y a mon arme de service, mon tonfam, mon taser, ma radio. Tu pars demander au gars de l'armurerie. Bah, si, mais le problème, c'est que celle-là, mon arme, elle est enregistrée, etc. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, tu vois. J'en ai marre. Et oui, il y a un numéro de série qui est attribué à chaque officier. Bah oui, parce qu'elles sont les fusillades, faut qu'ils puissent savoir quelles sont nos douilles, nos. Enfin, voilà. Attends, c'est le rapport ensemble. Mais surtout que. Je suis pas dit, là, quand je suis arrivé, vu que je suis parti en voie de ta mère. J'arrivais à un endroit, il y avait un bus et plein de monde. Il y avait pas de policiers.
Oui, c'est, c'était une manifestation contre la traite de l'abolition. Contre l'abolition de l'esclavage. Pour l'abolition de l'esclavage. Pour l'abolition. J'ai déjà aboli. C'est pas plutôt une commémoration. Oui, ouais, je crois que c'est une commémoration. Quoi. Enfin, je sais pas. C'est... Après, ouais. En tout cas, non, c'est toujours... ça tire souvent quand même dans cette ville. Hein. Ouais, quasiment tous les soirs en fait. C'est comme le Vietnam. C'est un peu ça, oui. C'est ça. Putain. Oh, bah ouais, je pense que j'ai ouais, certaines situations, pas ça t'aurait rappelé des trucs. Hein. Non, pas ce point-là, non. Non. C'est toujours drôle le d'appel. Ah, bah non, ah. Mais maman elle a pas l'air d'accord avec toi. Hein. C'est bon, c'est chaud, ça colle à la peau, quoi. Comment dire ? Est-ce que vous aimez la nourriture un petit peu du côté asiatique, oriental, tout ça ? Oui, oui. Pourquoi tu dis que c'est statistiquement improbable, Cabra ? Je préfère quand même... Parce qu'en soi, normalement, c'est tu dois pouvoir si t'as déjà eu des jumeaux. C'est des ramen au poulet. Préparation maison. C'est chinois, c'est... Japonais. C'est votre grand-père qui aurait pas aimé. Moi, ça me plaît. C'est vrai que mon grand-père n'aurait pas apprécié. Bon, ben le leur non plus. Ouais, non effectivement. Ouais, bah écoute, sinon ça va pour nous. Et toi, de ton côté. Oui, alors ça saute souvent une génération. Maintenant, c'est possible que quand même. C'est pas impossible. Fais chier, Tormir. J'ai pas pourquoi j'ai un accent belge. Je sais pas non plus, c'est la bière peut-être. C'est l'essence. J'ai c'est vrai, tout ça, ça vient pas de partir. Ouais, y'a maman qui est partie avec ton accent ou pas. Non, je. Pardon. Oui. Lali, la 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 la. Ça va mieux. Ça attends, pas attends, l'air. Attends, je vais aller dans le jardin. 3 kills d'eau au cas où, parce que. C'est qui oh, attends, j'ai pas ouvert, d'ailleurs. Elle va ouvrir. Alors, ça se passe bien. Ouais, ça va, j'ai pas encore eu les questions assassines. Ah, fallait commencer par là. Non. Il faut pas commencer tout en fait. Non, William, non, s'il te plaît. Non. De quoi? Je te promets de donner une double ration si tu te dis rien, s'il te plaît. Putain, il est en train de muer ou... Ouais, je sais pas ce qu'il I don't know. Je sais pas non plus. Bah, j'espère que tes parents aimeront le ramen. Ouais. Bon, genre, c'est comme une soupe de vermicelle, quoi. J'espère. C'est facile à faire. Ouais. Et t'en penses quoi du coup de mes parents? Charmant. Ouais. Pas de la chance, ils sont de bonne humeur. Voilà, après quelques étirements, ça va un peu mieux. Ça va mieux? Super. J'entends dire que vous faisiez de la chasse? Oui. Ah, chouette. Quelle grenouille, quelle serpente, tous les trucs qu'il faut pour pas et qui peut faire des trous. Bah, figure-toi que Maki aimait bien ça aussi. J'en faisais avec mon père, oui, effectivement. Tu sais c'est quoi? Le gros gibier. Principalement du cerf, du sanglier. On est tombé sur un ours une fois. Et l'ours, c'est bon, mais c'est faisant des... Ouais, et c'est devenu très compliqué à chasser aussi. Mais ça fait du bon pâté. Surtout pour la fourrure aussi. Oh, puis ça fait du gras, puis ça fait des os, enfin des fragments d'eau, puis ça fait plein de choses. L'ours, c'est bien chasser l'ours. Oh, bah, les dents, ça fait aussi une jolie combinée, ça fait pas trop. Mais moi, c'est surtout pour faire du pâté. Oh, le pâté d'ours. Ah. Oh, non, non. Après, la viande de cerf est à moi, je rêve d'ours grillé, mais bon. Oh, le bise. Oui. Puis surtout, les têtes de cerf empanées, ça fait pas trop. Ah putain, j'ai mal à la gorge, c'est horrible. Ouais, il y a comme une maladie, tu sais, l'angine. C'est ça. Qui passe. Ah, Frangine, en fait, t'as revu Winston l'autre soir? Mm-hmm. Ouais. Winston J'étais censé l'envoyer. Il a pas pris trop cher, le con? Je crois. Alors. Il avait une arme sur lui apparemment. Oh la merde.
Mais en même temps, c'est normal qu'il ait une arme sur lui. Enfin, ce que je trouve aberrant, papa, tu vas halluciner. Ici, il n'y a toujours pas le permis de port d'armes pour les civils. Papa, je crois qu'on l'a perdu. Non, mais je crois qu'il il entend un peu les bourdonnements comme j'ai, je pense. Là, j'ai des petits bourdonnements là dans. Il en dans reste sans voix. Mais. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ok. Ça m'allait pas. J'ai retrouvé l'audition. Fantastique. Super. Ah, bordel. Par contre, on a toujours pas trouvé votre mère. Non. Donc, tu me disais, j'ai entendu Panda. Ouais, c'est ça. Les gens ici, leur permis de port d'armes, c'est pas encore mis en place. Donc les civils, les citoyens n'ont même pas le droit de s'armer pour l'instant. Mais même pas de la détention, non. Même pas, et disons que on a un ami, c'est aussi celui du coup qui travaille à l'immobilier. Il avait une arme sur lui, ils lui ont confisqué. Et ils lui ont le problème, c'est que le con, il a voulu faire une blague, mais ça n'a pas été très, très, très bien apprécié, on va dire. Moi, pour André à faire des blagues à la police. Ah, faut être un peu con, c'est clair. Hein. Je suis sûr que c'est un vieux con, de toute façon. Pas vraiment, non. Enfin, moi, je l'aime bien, il est sympa. Il est gentil. En plus, Alfred Winston, il a le nom d'un majordome, mais je suis sûr qu'il est anglais. Comment tu sais qu'il s'appelle Alfred ? Quelle origine il est ? Bah, elle l'a dit. Ah, elle l'a dit. Merde, c'est moi qui ai pas entendu alors. Ouais, je crois que t'as pas entendu, effectivement. Ouais. Aïe. T'inquiète. Mais ouais. Petite de merde. Par contre, j'ai des acouphènes de temps en temps. C'est un enfer. Ah ouais, moi aussi, c'est très surprenant. C'est ouais, très surprenant, je dois t'avouer. Je sais pas, il doit y avoir une épidémie là ce soir, je sais pas. Ah, on n'a pas choisi la meilleure soirée. Bah, par ça, tu m'as toujours pas dit combien il avait pris. Parce que je pense qu'ils ont dû abuser, comme d'hab. Je sais plus exactement, je sais même pas s'il me l'a dit. Il m'a fait comprendre qu'il avait. Enfin, qu'on lui avait confisqué son arme. Ouais, bon, bah ça, heureusement. Ouais, et par contre, ouais, je pense qu'il a quand même eu une bonne amende, quand même, je pense. Ok. Surtout qu'un truc comme ça, c'est genre, ils arrivent à relier l'arme à des trucs qui ont pu se passer, ils peuvent faire des convocations et tout en plus. Ah bah, de voilà. Oui, excusez-moi, je me refaisais une beauté. Oui, j'ai pris froid dans l'avion. J'ai la gorge enrouée. Bah, en même temps, ça doit être tout le temps sur la clim. Et je n'écoute pas tout ce que tu racontes. Voilà, si tu savais. Voilà. Où étions-nous ? Je voulais pas couper la conversation. Et sinon, maman, du coup, tu deviens quoi, toi ? Ah merde, putain de TS de chiottes. Allô ? Oui, pardon. Oui. C'est une horreur. Hein. Ah, c'est vraiment horrible ce soir. Écoute, moi tranquillement, je prends soin de ton petit papa. Ouais. Et je continue dans mon club de bridge. Superware de merde. Écoute, j'ai le droit d'avoir des amis, chérie. Toi, tu bois des bières et tu regardes du baseball. Pardon, tu regardes quoi, papa? Baseball. Du quoi? Du baseball. Ah putain, t'as changé, tu me déçois. Mais quoi? Je sais pas. Il est déçu. Tu regardais pas du football avant? Ouais, enfin maintenant c'est devenu chiant. Ah oui, puis ça va être aussi parce que j'ai arrêté ma carrière, je pense, ou bien. Attends, tu peux pas tout réussir. C'est moi qui ai choisi d'arrêter. Je vous rappelle. En même temps, tu connais des commotions cérébrales, etc. Ouais. Merci. Après, je sais pas à cause de ça, c'est parce que. Voilà.
Mais non, c'est plus drôle. Ok, ok. Bon, si on... Si on parlait du sujet principal, mm-hmm. Et là, tu comptais le comment, tes enfants? Ça marche suffisamment bien, ton bar? Ouais, bah après, on vient à peine d'ouvrir, donc c'est temps de poser les trucs et tout, mais ça va fonctionner, vraiment. Tu es sûr que c'est une bonne idée d'être dans cette ambiance-là, Yona? Ouais, t'inquiète, ça vient se passer. Mm-hmm. Puis j'ai trois associés et tout ça, ça se passe hyper bien. Bon, donc... bah je crois que c'est prêt. Magnifique. Parfait. Super. Sonnez par le gong. Enfin, sonnez par la cuisson. Ouais, la minuterie de la cuisine, quoi. Oui. Bon. Mais... C'est pas toi qui fais la cuisine, Yona? Si, de temps en temps, mais ces temps-ci, il me laisse pas trop faire. Ah. Bah, disons qu'avec ses envies de femme enceinte, vaut mieux que je fasse la cuisine. On est d'accord que tu nous as fait des nouilles. C'est des patates. Ramen, du coup. C'est des nouilles avec des morceaux de poulet, des boulons de légumes. J'ai une question sur moi, c'est des nouilles artisanales, parce que là, devant moi, j'ai des nouilles artisanales. Alors, c'est des nouilles qui sont... que j'ai achetées dans un traiteur japonais. Donc elles viennent du Japon. Attends, oui. Rassure-moi. On est bien d'accord que devant moi il y a ton dodo instantané. Oui mais regarde papa, le paquet il est ça, le paquet il est fermé quand je papa. Je vais partir au boulot très rapidement. Oui. Mais ce coup là tu verras. Matin, je l'ai oublié, il y a quelque chose dedans, je suis parti. C'est surtout que ce matin je suis parti tellement vite que j'ai oublié de prendre mes nouilles instantanées pour le travail, je suis désolé. Tu vois? Alors c'est une grosse nouille mais bon il y a des nouilles. Mais là oui c'est t'as pas encore mis l'eau. C'est encore une brique. Attends. Du coup, c'est une préparation 100% faite à la japonaise. Ah, mieux comme ça c'est mieux, oui. Voilà, je vous laisse prendre vos bols pour ceux qui veulent. Oui, c'est con, putain. C'est pire. Allez, merci beaucoup, monsieur Harper. Attends, parce que... Attends, je vais juste essayer un truc. Et la bouteille qu'il y a devant nous, c'est... Ça, c'est mon plaisir, mon plaisir, moi. D'accord. Je suis texan de base, donc c'est mon petit plaisir, Tu vois pas un vrai américain? C'est bien, c'est peut-être un peu américain sur ton mur, sur ton ventre, sur ton jardin. Par contre, j'en connais un qui a du mal à aller vers les américaines. William? Faut que tu vois. Voir. J'ai trouvé une petite table. Ah voilà, là on est bien. Pardon. Oui papa. J'ai quoi? T'es gonzesse? Ouais, il y a des gonzesses, ouais, en ville, pourquoi? T'es marié? Non, Ah non, moi j'en ai pas, non. Attiré par une mexicaine et une russe. Une non alors, une mexicaine et une américano-russe, s'il te plaît. Ça n'empêchait les communistes. Bah non. Voilà, tu vois, ah non, elle est pas communiste, non, pas vraiment. Bah, ils sont pas tous communistes, papa, tu sais, c'est comme les Américains, ils sont pas tous intelligents. Ça parle pas anglais, c'est communiste. Bah, elle parle anglais. Je parle pas russe avec elle, puis elle parle pas russe avec la population de Los Santos. Elle est officier de police, papa. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs du coup de la préparation. C'est excellent. C'est très bon. Ah merci. Ça fait un peu tiède. Ah pourtant j'ai bien servi chaud. Ne vous inquiétez pas. Tu veux que je le mette dans le four à micro-ondes? Non merci. C'est tellement gentiment proposé que j'ai refusé. Maman. Tu peux être gentil un peu s'il te plaît. Voyons William, je profite. De mes enfants, ce repas convivial, déguste. T'as tout mangé déjà? Oui. Elena. C'est quoi? Mais elle te tirait pas la langue, elle tirait parce que c'est chaud. C'est très chaud, mais. Et toi, tu fumes pendant que les gens mangent? Bah, ça a pas changé, je vois. T'as vraiment pas changé, Yona, en fait. Mais il est même pas allumé celui-là, c'est juste pour le plaisir de l'ouvrir. C'est marrant parce que c'est exactement ce que je suis en train de me dire de toi. Ah, les deux, vous commencez pas, hein. Non plus, t'as pas beaucoup changé. Sinon, j'en prends une pour taper sur l'autre, j'annonce. William, calme-toi. Ta sœur est un petit peu sur l'écran, elle est enceinte, c'est pour ça. Oui, et toi, t'es un peu, comment dire, bien assise sur tes idées.
Comment ça, bien assise sur mes idées? Que veux-tu dire? Je sais pas, tu viens de la regarder, de lui dire qu'elle a vraiment pas changé. Si elle a changé. J'attends qu'elle... Mais regarde, maman! Elle a une entreprise, elle a une maison, elle a un mec, elle est enceinte, elle est en bonne santé. Elle... Enfin, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'elle te fasse quoi? Un dessin? Et elle a sa propre association. Et puis elle a fait une marche caritative, elle a rassemblé 120 000 balles pour l'hôpital. Enfin, à un moment donné. 120 000 balles, quoi. Eh oui, ça fait du pognon. J'ai fait les 100 000 balles à l'hôpital. Ah bah oui. Je suis fier de toi, ma fille. Merci. J'ai fait 2h30 de marche. Tu n'étais pas enceinte, j'espère. À ce moment-là, non. Elle n'était pas enceinte. Non, à ce moment-là, non. C'est juste que ça me rassure pas que tu traînes toujours dans les mêmes milieux, tu vois. Je sais, mais franchement, rassure-toi, ça vient se passer et puis j'ai de... Ouais, mais tu sais ce qui a changé aussi, maman? Il y a un truc qui a poussé entre ses deux oreilles depuis le temps. Un cerveau. Quoi? Tu dis quoi? Quoi? Déjà, il y a... Tu allais dire quoi? Tu es pas passé. Je suis désolée, papa, ça a failli m'échapper. Et t'es pas désolée pour ta mère par hasard? T'es dire quoi? T'es dire quoi sur ta mère? Pardon. Je suis désolée, maman. Pardon. Non, mais là, sur le coup, ça a vraiment failli m'échapper. Je suis vraiment désolée. Je crois que de toute manière, tu me portes toujours autant d'affection. Ouais, toujours. Tu sais à quel point je t'aime, maman. Je crois qu'on va reprendre l'avion, chérie. Mais non, ça va aller, c'est bon. C'est bon. T'es faux, vas-y, lâcher ton bol comme ça. Ce serait bien que vous deux, vous compreniez que de l'eau a coulé sous les ponts, que les choses ont changé, et puis que vous repartiez sur de bonnes bases, tu vois, plutôt que de continuer. Ah, putain. On recommence. Ouais, vas-y. De bonnes bases. Ouais, ce serait bien que vous repartiez sur de bonnes bases et que vous arrêtiez de vous crêper le chignon pour des conneries. Les deux ont changé, les deux vous avez évolué, maintenant arrêtez de nous casser les couilles à tous. Voilà. Ouais, ça va. Maman ? Ok. Là, je crois qu'elle aurait sans voix elle aussi. C'est aussi dire que je vais devoir répéter une troisième fois. Et je crois que c'est le même cas pour papa. Ah oui. Papa ? Ah ouais, chaud. Ah ouais. En fait, c'est eux qui nous ont ramené une maladie de San Francisco. Ça va? Ouais. Ils sont vraiment bien. Ils nous ont ramené la Death Destroy of the Death. Of Saturate. Hein? Prends les premières lettres. Ah! Ok. C'est une sacrée maladie, ça. Ouais, c'est une canne. La Death Destroy of Saturated. J'ai pas compris tout de suite, mais c'est... En fait, je suis vraiment une demeurée, la vache. Il y a Jean-Kevin! Ça fait longtemps qu'on l'a pas appelé. Attends, je l'appelle. Hein? C'est qui, Jean-Kevin? Tu te souviens pas? C'est mon pote. C'est Jean-Kevin, Dédos! Ah! Waouh! Ouais. Ah merde! Elle est pas mal celle-là aussi. Ouais, c'est son pote. Ah. Quoi? Non, rien! Mais merde! Putain! On vous entend plus, hein, papa? Salut Jean-Kevin! On était de retour! Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu! Ouais, t'es toujours aussi con, ouais! Ouais, moi aussi, ça me fait plaisir! Allez, salut, hein! Pardon. Ta connerie a laissé vraiment sans voix ta mère. C'est pas la première fois, t'inquiète. Je sais pas ce que c'était. Mais du coup, on fait comment? Ils vont bien devoir dormir quelque part avant. Bah, ils ont l'air de vouloir dormir dans la cuisine, hein, ça ira bien. Ouais, à moins qu'ils veulent pas repartir, ça c'est encore une autre chose.
Il y a quand même moyen qu'ils restent ou qu'ils reviennent à cause des petits ou petites qui vont arriver. Hein. Oui, ça. Je respire, ça se passe bien, c'est bon. Déjà. Ouais, ils ont déjà prévu de venir à Noël, t'inquiète. J'aurais dit que t'étais un gros enculé, que tu faisais n'importe quoi et que tu valais pas la peine, t'inquiète. C'est sous contrôle. Ah ouais, j'avoue que t'as été sympa avec moi. Et encore, j'ai trop mignon là. Hein, moi? Non, mon frère. Ouais, il est sympa, j'avoue. Je t'en devrais bien une. Vas-y, dis-lui ce que je t'aurais dit. Que je suis un voyou de bas étage qui aime pas la police. Ouais, effectivement. Franchement, non, c'est pas ce j'aime. J'espère que tu aimes ton cher papa. Quoi? Bah, il a dit que t'avais sinon, je donne des gifles. Salut à toi, bienvenue. Oui, oui, c'est très très drôle. Je m'éclate. Je m'éclate. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la scène. Ça, il l'a pas dit, mais je le connais suffisamment pour ça. Je lui fais comprendre, on va dire. Et après, il m'aurait des. Et après, il m'aurait cassé la gueule parce qu'encore une fois, j'aurais choisi le mauvais cheval. Bah, apparemment, t'es tombé sur le bon cheval, là. Ouais. Enfin. Oui, t'es tombé sur le bon cheval. Quoi? T'as des doutes envers toi-même? Bah, disons que. Avec tous les problèmes que t'as eu, des problèmes du passé qui sont revenus, même, je pense pas qu'il y en aurait beaucoup qui seraient restés. Clairement. Clairement. Au fait, frangin, oh là, j'aime pas quand tu commences comme ça. Alors, tu vois, oui, oui. Bah en fait, il y avait papa qui était là, mais il avait. C'était pas papa quoi. Ah. Il avait sa tête ses mauvais jours quoi. Mais comment tu veux qu'on explique ça? Non mais t'inquiète, ça va, t'inquiète. Respirez, je dois te concentrer là pour les deux. Et c'est bon. Les deux sont partis là. J'ai beaucoup aimé tes mocassins, papa. Il est trop fort, je me fais engueuler par un Tamagotchi. Oh putain! Il aimerait bien dormir. J'ai vu une splendide paire de mocassins dépasser du coin du mur là, c'était fantastique. Ouais, t'as peut-être un peu trop resté dans le soleil, solarium, je parle toute la merde. Peut-être l'auto-bronçant qui est un peu corsé, je sais pas. Eh ben là, oui. Ça va mieux, moi. J'ai des mal de gorge. Je crois que vraiment, il y avait trop de clim dans l'avion. Je vais aller me coucher, je pense. Ouais, bah allez-y, n'hésitez pas. Prenez la chambre en bas. D'accord. Je vais peut-être aller prendre un café avant d'aller dormir, juste. Oui, pas de soucis. Il y a la cafetière qui est là, et... Okay. Je suis désolé, ouais, je venais sur ta maman. Qu'elle a quand même tous les deux. J'ai rien compris, papa. Honnêtement, j'ai rien compris à moi. Parce que je crois que ton père veut passer un moment avec sa femme. Je crois que c'est ça. C'est ça, chérie. Je te décris tellement bien depuis les années. C'est pas tellement ce que j'ai dit, mais d'accord. Ah, d'accord. Oh
cuisine aussi. Non, puis sinon, vous faites quoi? Vous reprenez l'avion? Vous restez? Non, faites quoi? Vous pouvez dormir ici cette nuit, il n'y a pas de problème. Hein, c'est. Je pense qu'on va faire celle de ce que là avec le rhume, c'est si horrible. Voilà, c'est compliqué. On va soigner. Prenez la chambre en bas, vous en faites pas, je vais voir pour. Je vais dormir sur le canapé. Faire un lit de merci, c'est gentil, mon gendre, de te proposer de dormir sur le canapé. Oh, ils sont pas encore mariés, hein. Bonne nuit, mon fils. Oui, alors pour le mariage, c'est encore. Bonne nuit, maman. C'est comme la fille, ça. Hein. Alors, ça, tu vois, c'est pas une belle. Moi, je trouve confort, mais c'est très belle famille. Bonne nuit, maman. Alors, papa, pour tout dire, le mariage, il y en aura pas. Vous allez pas vous marier? Oui. J'aime pas ça. C'est elle qui m'a dit qu'elle aimait pas ça, et moi, je suis pas très mariage de base non plus. En soi, ça veut rien dire, les mariages avec un bout de papier. Ouais. Après, c'est vous qui voyez, hein, si vous voulez qu'elle se nomme Eliona Harper, elle peut garder son nom, hein, je te rappelle. C'est vous qui voyez maintenant. C'est vrai. Ça n'aura peut-être pas censé être dans leur camp, toi. De quoi? Chérie, tu veux arrêter de faire la toupie? Papa, ça va? Je crois qu'il est pas d'accord. Non, je crois qu'il est pas d'accord. Je crois qu'il est. Merde. Il est fâché. Je crois qu'il est avec c'est ton père. On en discutera. Ouais. Faites attention à vous. Aussi, maman. Ça marche. Bah, repose-toi bien. Repose-toi bien. Et. Ouais, reposez-vous bien. Comme je sais que t'aimes bien fumer la nuit en cachette, je laisserai la porte ouverte en partant. Ouais. Ouais, je t'ai. Ouais, je t'ai vu. Trop de réflexes. Ouais. Hein? Il est vraiment en colère. Il est vraiment en colère. T'as pété un blond, papa? Ils vont se marier. C'était très mauvais idée. Qu'est-ce qu'il. J'en connais un qui va avoir mal à la gorge. Oh, attends, j'ai un appel. Allô, Isaac. Ça va et toi? Bonne nuit, les enfants. Défoncer les cordes vocales, ce con. Ah, ça a l'air d'être le bordel, par contre. Ouais, normalement, il devrait y avoir des employés qui. Rechercher, kidnapper, alligator noir, course poursuite buggy. Une autre fois, t'inquiète. Oh merde. Merci, Isaac. À la prochaine. Fais attention à toi aussi. Mal à la gorge. Ouais, elle a un sacré mal de gorge. Et c'est quoi cette application Uber Eats là sur le téléphone? C'est nouveau. Apparemment, tu peux faire des livraisons. Ils te demandent d'aller chercher des iced tea, des machins. Ouais, super. Voilà. Tu sais ce que je me suis dit? Je vais prendre une de mes caisses là, la Futo GTX. Je vais la mettre en version initiale D. Je vais faire des livraisons de tofu. Pourquoi pas? Ah, tu savais pas, patron du LS Custom, ça paye pas assez apparemment. C'est bon, t'as eu le poste aucun ou bien c'est en train d'être vu. Il y a encore un document que le patron m'a signé. Mais vous avez aucun bénéf, pourquoi au final? Parce que les prix sont trop bas. Enfin, en fait, si tu veux, il y a des customs qui sont pas logiques. Genre, on a des véhicules, par exemple, qui sont à 200 000, qui ont exactement le même prix qu'une custom sur un véhicule à 10 000. Ouais, mais ça, faut modifier la grille des prix, puis c'est tout. C'est ce qu'on a fait pendant à peu près 2 semaines, où le patron n'était pas là, et que c'est moi qui ai pris les rênes avec une autre personne qui est là pour m'aider.
Ouais, c'est chiant ces histoires à la con, parce que c'est censé bien tourner, je veux dire, vous avez un monopole, y a pas de raison, tu vois. Et tu sais que moi je me suis fait envoyer à la gueule comme quoi, oui, on a le monopole sur la customisation esthétique, mais c'est pas pour ça qu'on devrait augmenter nos prix. Bah si, en fait, si moi derrière je vois qu'on a aucun chiffre d'affaires qui rentre dans le garage, ou très peu de chiffre d'affaires, ben je suis obligé. Vous faites combien de marge sur les pièces? Surtout que, franchement, pas grand chose. Il y a même pas, je dirais qu'il y a même pas 20% sur les marges, sur les pièces. Ah ouais. Donc tu vois, c'est compliqué. Ah, tu colles déjà 10-15% d'augmentation. J'entends que l'auto. Écoute, non mais. Écoute, quand j'entends l'auto exotique qui me dit, ouais, moi je fais 1 million par semaine. En sachant qu'il a quasiment le monopole des performances et des réparations mécaniques. Tu vois, c'est là où je me dis, ouais, bien sûr. En sachant que moi je fais que 150 000 par semaine. Entre 1 million et 150 000, il y a quand même une grosse différence alors qu'on fait à peu près la même chose. Combien d'employés? Bah, on est presque l'équipe complète là. Ok. C'est-à-dire que quasiment 15 employés, sans compter un qui est en vacances et qu'il va revenir bientôt, de ce que j'ai compris. Et il y en a un autre, ben, quand j'aurai les documents, il sera plus employé, donc il me reste encore une place de libre, tu vois. Ah, c'est compliqué, ouais. Ah ouais. Bon, après, moi j'ai toujours dit, hein, pas très cher les custos, hein, chez vous. C'est pour ça, on est en train de voir pour faire par rapport au prix du véhicule et non pas par rapport à la gamme, tu vois. Ça sera mieux et c'est comme ça que l'auto exotique fonctionne et c'est comme ça que ça fait chier, ça va être juste avant que je m'achète ma Hellfire, bordel de merde. Casse les couilles. Oui. Bah, ça sera mis en place à partir de la semaine prochaine, on va faire une semaine test, on va voir si on a plus de bénéfices ou pas. Ouais, bah, je pense que je l'aurai pas, il me manque beaucoup. Parce qu'on s'est même fait la remarque hein, avec plusieurs clients. S'il y a des personnes qui arrivent à s'acheter des véhicules à 250 000, ils ont l'argent derrière pour pouvoir se faire la custom. Alors oui et non. T'as ceux qui brassent un paquet de pognon et qui eux ont clairement le pognon, tu vois. Et t'as ceux, moi ça fait je sais pas combien de semaines que j'économise pour ma Hellfire, tu vois. Après, voilà, rien ne t'empêche de venir faire. Non, bien sûr, mais je sais d'avance que la custo elle va me coûter plus cher, du coup, ça va être plus compliqué pour la faire, tu vois. À savoir que le seul truc qui va pas changer, c'est les peintures. Pour chaque véhicule, les peintures sont. Ça, c'est logique quand même, je pense. Ouais, vu que c'est le même travail, c'est du ponçage, première couche, vernis, et puis voilà, c'est tout. Enfin, couche d'après. Après, pour moi, tu vois, un Rumpo par exemple, tu devrais payer plus cher qu'une voiture. Parce qu'il y a plus de surface à peindre. Ouais, c'est logique, mais ça reste quand même le même travail. Quand je dis plus cher, etc. Tu fais. Schématiquement, si la bagnole, tu fais payer 100 dollars, je sais, c'est pas ce prix-là, mais on s'en fout, c'est un exemple. Tu fais payer 100 dollars, plus c'est grand, je sais pas, tu fais 150, et pour les gros machins vraiment gros, tu fais 200 balles. Et puis voilà, tu vois, c'est pas. Ouais, je comprends ton point de vue, mais ça reste quand même une peinture complète, que ce soit une voiture, une camionnette ou un camion, ça reste plus une peinture complète, tu vois. Parce qu'on est obligé de faire une peinture complète, on va pas peindre juste. Non, mais ça je dis pas le contraire. Mais par contre, t'as besoin de plus de peinture pour la faire à la voiture, enfin le véhicule. Donc toi ça te coûte plus cher, donc ta marge elle diminue si tu fais le même prix. C'est juste ça en fait, moi, c'est même pas l'histoire de gagner forcément plus, c'est juste que tu ne perdes pas en faisant des véhicules qui ont une plus grosse surface. J'ai mal, oh bah tu m'étonnes, tu t'es éclaté la voix, ouais. Oh mon dieu, ce que j'ai rigolé, incroyable. Ouais, de toute façon, on va faire une semaine test, on verra. Mais ça me semble complètement logique, tu vois, les pièces d'une bagnole à 200 000 balles, bah c'est pas le même prix forcément qu'une pièce pour ma Canjo à je sais plus combien, tu vois. À moins de 10 000. Donc à un moment donné, oui, c'est logique que tu payes plus cher, hein, je veux dire, à un moment donné. Fin... Après, ça va, la Hellfire va pas avoir non plus des prix exagérés. Non, mais je disais ça comme ça, je m'en fous, c'est je payerais. C'est surtout pour les gros véhicules, genre. Ouais, bien sûr, mais tu vois, après, moi je disais ça comme ça, en vrai, je m'en fous, je payerais ce que j'ai à payer. De toute façon, je sais que voilà, moi j'assume derrière, c'est pas un souci, tu vois, c'est mon choix en fait.
Maintenant, c'est sûr que oui, si je pouvais l'acheter maintenant puis payer moins cher, ça m'arrangerait. Mais enfin, en soi, si c'est, enfin, tu vois, quitte à choisir dans un autre sens, je préfère peut-être même attendre que tu augmentes les prix, comme ça, vous faites un peu plus d'argent, tu vois. Ça me semble aussi légitime quand tu as une entreprise de vouloir être un minimum rentable et bah voilà, il y a des primes, il y a des machins, il y a, enfin, c'est logique quoi. Ouais. Après, tu sais, moi je vois, hein, elle disait ouais, 16 000 balles par mois tout à l'heure, machin, par semaine. Alors, oui, effectivement, mais faut faire les 10 heures. Et au-delà de ça, on n'est pas si bien payé que ça quand tu regardes le salaire de certains. On est mal payé chez nous aussi. Hein. Tout dépend après des customs, etc. Ouais, ouais, non, mais chez vous, il y a un problème de prix, c'est tout. Et c'est surtout qu'on n'a même pas de salaire minimum, tu vois. En fait, c'est ce que je pensais faire. Je pensais mettre un salaire minimum, tu vois, pour les employés. S'ils font leurs 8 heures de travail, évidemment. Bah, le salaire minimum, c'est ton salaire horaire. En soi. Effectivement. Maintenant, voilà, t'as le salaire de base qui est pour moi, enfin, le salaire minimum qui est pour moi le salaire horaire. Après, c'est ma vision des choses, hein, c'est peut-être faux, mais. Et puis, t'as la prime après. Mais la prime, c'est autre chose. Ouais, t'as les 80$ toutes les 15 minutes, t'as la prime de custom et de repas, et ensuite t'as. Bah, pour moi, il faudrait quand même qu'il y ait un salaire minimum, tu vois. Bah, il faut que tu regardes aussi. Parce que des fois, j'ai un excédent de bénéf. Bien vois, sûr. Mais après, c'est normal que tu aies un excédent de bénéf, et cet excédent de bénéf, à voir si c'est tous les mois ou enfin, toutes les semaines ou comme ça, mais tu peux aussi le réinjecter dans la boîte pour faire X ou Y, par exemple. Ouais, effectivement. Ça veut dire parce que, en fait, tu vois, tes employés, en gros, c'est toi, ce que tu voudrais, c'est foutre une prime toutes les semaines. Non, c'est pas foutre une prime toutes les semaines, c'est mettre en place un salaire minimum pour le nombre d'heures demandées. En gros, sur le contrat de travail, il est stipulé comme quoi ils doivent faire 8 heures minimum par semaine. Okay. Si la personne fait les 8 heures, il a déjà dans ses poches une certaine somme. Bah, s'il fait pas ses 8 heures, mais qu'il a quand même une belle prime, bah, il aura quand même sa prime, tu vois, mais il aura pas ce salaire minimum. Si par exemple la personne fait 6 heures ou 5 heures et qu'il a une bonne prime de 10 000, bah, il aura ses 10 000 mais il n'aura pas le plus 4 000. Alors je vois ce que tu veux dire, je vois pourquoi tu veux le faire. Maintenant, moi ce que je te dirais, c'est regarde déjà pour augmenter les prix. Regarde comment ça tourne. Ouais, ça, ouais non, mais ce que je veux dire, c'est. Faites le test, regardez comment ça tourne, combien ça rentre. Et regarde après combien tes gars ils gagnent sur cette semaine-là également. Et tu verras bien s'il y a réellement besoin d'un salaire minimum ou pas. Parce que. En gros, moi j'ai envie de te dire, ça fait un peu deuxième prime si tu veux. T'as ouais, je vois ce que tu veux dire. Ton salaire horaire, t'as la prime sur le chiffre d'affaires, grosso merdo pour résumer ça comme ça. Et ça voudrait dire qu'il y aurait un deuxième truc pour ceux qui font X heures. C'est. Je sais pas. Ça fait deuxième prime hein, pour moi. Ouais, c'est une prime horaire, on va dire ça comme ça. Ouais, mais en soi, si le mec, il a une grosse prime sur le chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il a été là et qu'il a bossé. Mmh. Ouais, effectivement. Donc en soi, ton système, tu l'as déjà. C'est plutôt une prime sur bon travail, tu vois. Mmh. Parce que la personne est présente, a fait pas mal de custom, et il y a aussi les repas et les speedy. Ouais, bien sûr. Parce que de base, maintenant, faut voir toi combien ça te coûterait. Enfin, il y a plein de choses à calculer, tu vois, par rapport à cette prime. On est juste un petit peu en train de l'assommer, je crois. Et je crois qu'elle en a marre de ses problèmes de gorge aussi. Ouais. De toute façon, moi, vu l'heure, je vais devoir aller dormir. Donc.
Ouais. Merci pour la scène en tout cas, Fallon. C'était vraiment cool. Ça faisait un petit moment qu'elle m'en parlait et qu'on en parlait et qu'il fallait qu'on le fasse. Donc c'est vraiment cool. C'était un bon moment. Je suis content de ne pas avoir été bossé du coup. Il faut le dire. Mais là, je pense qu'on va pas faire très très long encore, hein, vu les emmerdes avec TS et tout. Vas-y, yes, ça marche. Bonne nuit à toi. Merci bien. Puis, bah... Ravi de t'avoir vu aussi. Ah bah c'était cool, ouais, c'est un petit moment. Ouais, bon. C'était compliqué pour moi ces dernières semaines. Non, mais ça a été la soirée... Alors je sais pas si c'était la pire ou la meilleure soirée de ma vie. Les deux, t'inquiète. La plus malaisante, ça c'est sûr. Ah bah c'est la famille Winchester, hein, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Là, c'est surtout la guéguerre entre les... Voilà. Ça va se calmer. Ça va finir par se calmer. Ah, elle lui a quand même lâché, hein, je suis fier de toi ma fille, hein. C'est sur le cul. Pour une fois. Bah après, bon, moi j'avais dit à Yu, la meilleure solution pour lui faire comprendre que c'est qu'ils viennent ici et qu'ils voient par eux-mêmes, tu vois. Exactement. Ah, bref. Bon allez, bonne nuit. Vas-y, j'ai la poubelle à sortir aussi. Galère. Si tu veux, bah prends-toi un Tupperware et récupère le ramen. Ah bah oui, tu peux toujours bon à prendre. Alors là, je vais sortir ça. Petit peu de rire. Un peu de ramen et on se casse. On va se coucher, je pense. Hein. Je pense qu'on va aller se coucher parce que là, c'est vraiment chiant. C'est la merde, oui, c'est exactement ça, c'est la merde. C'était quoi le dernier message de l'Espidi là ? Bonsoir, j'ai besoin qu'une patrouille passe au exotique récupérer un véhicule LSPD, merci. Waouh. Juste fermer la porte quand même. Est-ce que je dois pouvoir? Ah bah non. J'ai pas le passe. Ah. Oh. Non. Tant pis. On se casse! Maison. Le message que j'ai lu là, ouais, c'était une quête. Ouais, il y a des persos, voilà, c'est normal, hein, certains persos, c'est, ils savent pas forcément bien écrire, c'est logique. Bon, bah écoutez, ça aurait été un live un peu plus court que prévu, mais c'était cool cette petite scène avec les parents, là. J'espère que ça vous a plu. Ça, c'est quelle heure? C'est minuit. Merci, c'est grave à ce niveau-là. Oui, c'est clair. C'est un peu dans l'abus. Je vais pas dire le contraire. Je vais pas dire le contraire.
Après là, ce qui est surtout plus grave entre guillemets, c'est le TS qui oui. Mais je crois qu'il y a, il y a TS qui se fait des DDoS, je pense, ou un truc du genre, je sais pas. Je sais pas qui s'est fait des DDoS en tout cas, mais ça s'est fait des DDoS. Moi je suis pas un modèle, mais là, ouais non là, mais oui. Après c'est là où tu vois aussi que c'est du forcé joué quoi, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est, j'espère qu'en vrai le mec il écrit pas à ce niveau là quoi, parce qu'il y en a eu un autre aujourd'hui aussi, je crois qu'il était pas mal. Oula. Un peu tapé là, Bibi. Nickel. Bon, eh ben on va laisser Willy là. Hop. Tac. Oh. Hop. Bon. Bah ben c'était cool. C'était court, mais c'était cool. Donc ouais, comme je vous l'ai dit, il y a un projet qui est en train de se monter gentiment pour une named. C'est pas pour tout de suite. Il y a un petit peu de boulot, mais on est gentiment en train d'en discuter. Voilà, on va revenir gentiment entre cette semaine et la semaine prochaine à reprendre les lives aussi un petit peu fin de matinée, début d'après-midi, comme ça là. Les petites matinales, comme on appelait ça, j'aimais bien, c'était cool. J'aurais cru que ça aurait parti en couille à la réunion de famille. Non, il n'y a pas de raison en soi. C'est aussi le but. Le but de les faire venir, c'était aussi que ça s'arrange un petit peu avec la mère, tu vois. En tout cas, moi, c'était clairement dans cette optique-là. Donc, c'est bien que ça ne soit pas parti en couille. Ça a commencé à se chauffer là. Oui, il a coupé court direct. Hein, donc, c'est pas pour rien non plus, quoi. Donc, voilà. Mais demain on est quoi? On est mercredi. Ouais, alors je vais essayer demain matin, je vous garantis pas. Mais on va essayer. On va finir Red Dead. Enfin, avancer Red Dead parce qu'on va pas le finir demain. Mais on va commencer par finir Red Dead parce que c'est bien de commencer les jeux, mais c'est aussi bien de les terminer. Et puis après, j'ai pas mal d'envie de trucs. On va voir. Je pense que je vais vous en proposer 2-3 sur le Discord. Puis vous donnerez votre avis. Ça sera la meilleure solution. Je pense que ça va être de la survie, hein, je vous dis tout de suite par contre. On verra, survie zombie, on verra. Survie jardin peut-être, un retour. Je pense qu'il y en a un qui a tout de suite compris de quoi je voulais parler. Donc voilà. Donc on va déjà commencer par finir Red Dead, et puis ensuite on verra la suite. Un retour de Grand Dead. Bah je l'ai dit, hein, je l'ai call il y a un petit moment déjà que j'aimerais bien retourner dessus pour voir comment ça a évolué, tout ce qu'ils ont rajouté, etc. Donc peut-être. En tout cas Grand Dead va revenir, oui, ça c'est sûr. Dans un avenir relativement proche. Donc, voilà. Après il y a du 7 Day to Die aussi qui peut être sympa, mais ça serait peut-être plus à faire avec des gens. On va voir. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup à Lucas et à Papo Pialo pour vos follow hier. Juste avant que je lance le live, enfin que j'essaye. Il y a une nouvelle match aujourd'hui, ils ont rajouté quoi? Et merci beaucoup à Guardian of Hell aussi pour ton Prime. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Et Daisy, on en a parlé un petit peu. Daisy, c'est pas pour tout de suite. Mais il y aura probablement, oui, un retour sur Daisy un jour, oui. Oui, je vais le dire, voilà, je l'ai dit.
Peu de dev de base. Ok, cool. Peut-être intéressant. Après, ouais, je pense que Grand Dead, on le jouera pas. La base, on la jouera pas comme on l'avait fait la dernière fois en hauteur, là, sur, hein, sur les, la barrière de rondin de bois. On va vraiment la faire au sol en mode on peut se faire casser la gueule, quoi. Je pense, on verra. On verra. Donc, voilà, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de trucs, pas assez de temps. Et puis voilà, après le RP, il y aura toujours du RP. Maintenant, je pense qu'on va aussi alterner. Enfin, je vais un petit peu alterner aussi entre quand je serai sur Unnamed et Empire. Parce que, comme j'ai expliqué en début de live, j'aime beaucoup Empire, mais c'est très, 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 très sérieux, un peu trop des fois. Et j'ai besoin de pouvoir faire un petit peu le con aussi. Voilà, tout simplement. Donc, on va essayer d'alterner un petit peu les deux et puis on verra ce que ça donne. Après, il y en aura peut-être un qui prendra plus sur l'autre. Enfin, on sait comment ça marche, hein, on verra bien. On verra bien. Enfin, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal. J'ai enlevé mon micro de devant la gueule. Ça ira aussi. Hop. Alors. Est-ce que je vous envoie chez quelqu'un? Oui, je vais vous envoyer chez quelqu'un quand même. Voyons. On verra sur le tas, c'est exactement ça. Mais voilà, vraiment, moi j'ai besoin de pouvoir déconner aussi et j'ai besoin de... Comment dire ? J'ai besoin de pouvoir aller faire un peu le con, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà. Sana ? Je peux regarder pour être Sana éventuellement. Après, je l'ai raid l'autre jour aussi. Lui, je l'ai roulé. Ah putain, je l'ai raid aussi. Je vais y arriver. J'arrive plus à parler. Attends, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'il y en a plein, cette aura-là. Putain, mais il y en a une tapée, quoi, en vrai. En vrai, il y en a une tapée, bordel. LKTV, la Mara, mais je vous ai envoyé chez lui l'autre fois, là. Vous abusez, putain. Vous voulez retourner chez la Mara? Tu aimes ou elle joue sur le serve des zombies? Oui, on est en train de monter un projet pour aller dessus aussi. Manu. À la base, on était 3, là on en est à 5. Techniquement, enfin 4. 4 annoncés, il y en a un cinquième qui a l'air de vouloir se greffer au truc. Donc oui, on va y aller. Justement, c'est de ce serveur-là dont je parlais en alternance avec Empire. Après, on est en train... Alors, de toute façon, je vous dirai pas qu'est-ce qu'on va y faire. Vous le découvrirez in RP, vous savez très bien comment ça marche ici. Mais là, à l'heure actuelle, on est en train de poser les idées qu'on a et on va faire un peu le tri dedans, on va regarder et on décidera en fait vers quoi on se dirige. Il y a plein d'idées, il y a plein de très bonnes idées, il y a plein de trucs qui peuvent être très cool à jouer, mais très compliqués, il faut que ça soit très bien joué. Enfin voilà, on est en train de réfléchir vraiment à tout ça et on va voir ce qu'on va faire. Mais oui, on va faire... On va faire un petit tour sur Unnamed. Il a l'air incroyable en vrai ce serveur. Hein. De ce que j'ai vu, j'ai regardé quelques lives dessus. Comme d'hab quoi. Exactement, Cabram. Bah tu sais, oui, toi tu sais, enfin vous savez comment ça fonctionne ici. Hein. Et le projet, c'est un projet de groupe, donc il est monté en groupe. Ça prend un petit peu de temps, il va y avoir le background à écrire, il va y avoir pas mal de choses à faire. Et puis on verra bien de toute façon. On verra bien. Mais ça va être cool. Franchement, ça va être cool, je me réjouis. Allez hop, ça fait longtemps qu'on l'a pas raid, elle. Tac. Je vous envoie chez les EMS. Ça vous va?
Vous voulez pas aller chez les EMS. Vous avez le droit de le dire. En tout cas, oui, moi je me réjouis d'aller. Franchement, je me réjouis d'aller sur une AIM. Ça a l'air. Voilà, il y a du loot, il y a du craft, il y a, des zombies, il faut trouver à bouffer, faut trouver à boire, c'est compliqué, c'est cool. Donc, je pense qu'il y a moyen de vraiment, vraiment s'éclater sur ce serveur. Yelena ? Non, c'est pas Yelena. C'est Angel. C'est Angel. Donc voilà, de toute façon je vais vous tenir au courant de... Moi je vais chez Sana, ça marche, t'inquiète. Pas de soucis, pourquoi pas, ça marche. Bon bah je vous aurai chez Nures World qui joue Angel de chez les MS. Merci beaucoup à vous pour ce soir. Merci encore à Gardien Ophel pour ton sub avec Prime. Merci beaucoup, je vous retrouve avec un grand plaisir demain. Demain matin si tout se passe bien. Depuis quand t'as le nez de Gérard Depardieu ? Et bonsoir à tous. Le nez de Gérard Depardieu. Ah, il est rouge. J'étais au soleil toute la journée. J'ai la gueule toute rouge. Ça doit être ça que dont tu me parles, je pense. Comment tu vas ? Ah, bah, à faim, toi. Oh, t'inquiète. Demain, il n'y aura plus rien. Te fais pas de soucis. Ah ouais, non, ce soir, c'était un enfer. Bon, c'est aussi pour ça que je cut aussitôt. Hein. Clairement. Donc on a un peu parlé de l'avenir, tout ça. On a parlé de Named, on a parlé de Days, vite fait. On a parlé de... Voilà. Le petit résumé de la discussion de fin de live au Titmin. D'ailleurs, Titmin, je pense que tu as dû voir, mais j'ai fait un chan sur le Discord pour le groupe, pour les idées et tout. Yep. Donc j'ai posé les idées que j'avais déjà eues. Je vais rajouter les idées d'un autre. Et toi, si t'as des idées, ben donne-les. Ça, on met tout, on fait un gros mélange et on regarde ce qui sort. J'avais pas la motif de créer tout un Discord déjà, donc j'ai juste fait ça. Maintenant, à la limite, on va peut-être faire le Discord vite fait, comme ça c'est fait. On verra. C'est pas urgent en même temps, parce qu'en fait, ce qu'il faut que je vous dise quand même par rapport à ça, donc toi tu le sais, mais j'espère que t'as aimé la scène avec les parents malgré les soucis TS. Ah, la scène elle était incroyable. Moi j'ai kiffé, c'est clair, à fond. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Depuis en plus, depuis le temps qu'on en parle. Donc. Ça fait du bien, du chill. Ah ouais, non, mais laisse tomber. C'est exactement ce que je cherchais, en plus. À la base, je voulais voir Nash, parce que je sais qu'il a perdu mémoire, mais vu qu'il était, il jouait un autre truc aujourd'hui, un autre perso, ben voilà, c'est tombé, mais picobello, laisse tomber. L'emmerdeuse de mer. Ouais, mais elle l'a bien joué. Hein. Elle l'a bien joué. Le papa m'a fait trouver... Ah, mais... Le père, il était incroyable aussi. Les deux, ils ont super bien joué, c'était vraiment cool. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Ouais, c'était très sympa. À refaire. Si on arrive à avoir les mêmes et tout, ça peut être cool. Donc voilà. Bon, et ben sur ce, ça a été là. Je vais vous envoyer, comme je disais, chez Lunares World. J'ai perdu ma fenêtre. Elle est là. Au secours. Help me. Merci beaucoup à vous pour ce soir. C'était un vrai plaisir. Merci Titmin d'avoir organisé la scène avec les parents. C'était vraiment cool. On se retrouve demain, si tout va bien. Demain, fin de matinée, pour la suite de Red Dead. Peut-être pas encore la fin, mais en tout cas la suite. On s'approchait de la fin, on n'était pas très loin. Hein. Donc voilà, on verra. Des bisous. La bise. Des bisous à Titmin. La bise, à demain. Et puis, voilà. Je vais chez Nures World. Elle joue Angel. Elle est chez ZMS. De plein de love dans...
plein de love dans son chat, le petit follow qui va bien, vous connaissez, tout ça, si ça vous plaît, etc., etc. Vous savez ce que vous avez à faire. À demain. Ciao tout le monde et merci encore pour ce soir. Exactement, Cabram, le retour du pire cavalier de l'Ouest. Exactement. Allez, la bise tout le monde, bonne nuit. Ciao, à demain.